Vous savez ce que le seigneur Bort a offert à sa mère pour son anniversaire? Non. Des fleurs. Eh ben. C'est ridicule, pourquoi pas une botte de carottes? Il paraît que c'est les Romains qui font ça. Ouais, c'est vrai. Alors, les femmes d'ici, elles comprennent pas qu'on leur offre ça. Et moi, même pour me dire qu'on m'aime, j'aimerais pas recevoir des fleurs, hein. Eh ben, je vous en offre pas, moi, tout va bien. Travailler au château? Si on veut, oui. On a le droit de se promener dans les jardins? Normalement, non. Les gardes vous ont rien dit? Je sais pas, j'ai pas vu de garde. Sinon, c'est pas grave, je m'en vais. Non, mais c'est bon, c'est bon. Vous voulez vous asseoir? Je voudrais vous demander de plancher sur un truc. Quel genre de truc? Vous êtes balèze en fleurs. Balèze en fleurs, qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai paillé les parcs à chemin, ce serait pour une femme. Je voudrais lui offrir des fleurs. Lui offrir des fleurs? Qu'est-ce que c'est comme femme? Une chèvre? Attendez, je suis pas en train de vous demander ce que vous en pensez. Vous préférez pas lui offrir un fromage, une botte de radis? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à Rome, alors c'est vrai que questions sentiments sont quand même un peu moins bourrins qu'ici, ça se fait beaucoup. Ils s'offrent des fleurs à Rome? Exactement. Je suis pas prêt d'y foutre les pieds à Rome. Quoi qu'il en soit. Je voudrais offrir à cette personne une fleur un peu spéciale. Une fleur que vous aurez créée. Alors, en croisant deux existantes ou autres, ça... Vous croyez que j'ai que ça à foutre, pas de croiser des fleurs? Alors, vous ferez ce que je vous dis, et puis c'est tout, là. Et tâchez de me bricoler un joli truc. Quand je pense au boulot que j'ai, si vous me tuez avec vos histoires, là. Voilà, et surtout, grouillez-vous, parce que c'est pressé. Au moins, faut lui des fleurs à la con. C'est plus facile, vous comprenez? Je vous en coupe un gros tas comme ça. Et mieux, offrez-lui une brouette. Ça, je vais la remplir à bord de fleurs. Fleurs? Unique, belle, vite. J'ai besoin d'exprimer mon transport. Pour le transport, vaut mieux la brouette. Vous l'avez déjà vu, le roi Arthur? Je l'ai croisé. Alors? Il est gentil? Gentil? Je sais pas où dire. Je sais pas qu'est-ce que vous appelez gentil. Un peu comme vous. Vous aimez les fleurs? Oui, une fois de temps en temps, ça change. Et qu'est-ce que vous pensez de celle-ci? Qu'est-ce qu'elle est belle! C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Parce qu'elle a été greffée spécialement pour vous. Vous êtes vraiment adorable. Vous en avez pas pris pour vous? Non, pourquoi non? C'est pour vous. Ben, merci. Regardez si elle est jolie, celle-là. Et sans rire, je me suis pris d'affection pour la greffe. Ça lui a plu, à la jeune? Ça a eu l'air, oui. L'embêtant avec les fleurs, c'est que ça dure pas longtemps. Ah bah ça, je vous confirme, oui. Allez, ma petite danseuse! Venez donc vous faire câliner! Oh non, s'il vous plaît, vous n'allez pas commencer, hein? Allez, sire, ça stimule l'entraînement. Oh, garde ma piquette! Je vais vous découper le gras du cul, ça vous fera ça de moins trimballer. Ah! Oh! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, l'épée magique, c'est de la triche, mais ça a quand même une sacrée gueule. Oh! 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 Faites une pause maintenant, commence juste à être chaud. Mais justement, commence à être chaud, je fais une pause. Bah, comment ça se fait qu'elle flambe plus? Qu'est-ce qui flambe plus? Bah, Excalibur, regardez, on dirait une épée normale. Bah oui, c'est parce que je la tiens plus. Comment je ferais sinon? Je cramerais tout, je pourrais jamais la poser. Cette arme est décidément un allié extraordinaire. Bien foutu, hein? Sire. Quoi, vous voulez la prendre? Oh, c'est affreusement présomptueux. Non, allez-y, prenez-la. Sire, c'est un honneur. Oh, ça flamboie pas. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Vous me l'avez pété? Non mais pas du tout! Mais... Ah bah elle est pas mal, celle-là. Prenez-la.
Je saurais pas vous dire pourquoi, mais je trouve ça un peu vexant. Ouf, 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 esquive. Ouf, ouf. Ah. Ça va, sire, vous tenez le coup? Bah, je m'accroche, ouais. J'aime bien faire mes entraînements avec vous, parce qu'on a chacun un style bien défini. Ah bon? Vous, j'ai remarqué, vous êtes fort en attaque. Alors que vous, finalement, à part l'attaque, il y a que la défense qui pêche. Bah ouais, parce que j'ai développé mes points forts. Qu'est-ce que vous avez? Je ne ferai jamais. De quoi? Vous avez pensé à moi, j'arrive. Ouais, j'ai pensé à vous ce matin. Vous avez pensé à moi? Attendez, je discute avec la dame du lac. Quand? Maintenant. Mais vous vous souvenez, il n'y a que moi qui peux la voir, tout ça. Vous voulez que je sorte? Bref. Il faut que je vous montre quelque chose, vous allez voir, c'est hyper bizarre. Tenez. Ah non, tout ce qui est magique... Tenez! Bah! Voyez? Quand c'est pas moi qui la tiens, crac, rideau. C'est même pas chaud. C'est le destin. Le destin? Quoi? Excalibur flamboie lorsqu'elle reconnaît l'exceptionnelle destinée de son porteur. Ah, mais c'est l'exceptionnelle destinée. L'exceptionnelle destinée de qui? La vôtre. Finalement, c'est assez équilibré les combats entre nous, sire. Équilibré? Ah ouais, moi j'ai quand même l'avantage technique, et vous, vous compensez avec votre épée magique. Ah ouais, vous voulez que je prenne une épée normale pour voir? Bah non, parce que ce serait plus équilibré. Non, on va faire un truc. Vous, vous allez prendre deux épées, et moi je prends rien du tout, d'accord? C'est une expérience. Mais pourquoi faire? C'est une expérience. Vous, vous avez deux épées, moi j'ai rien du tout, j'essaye de passer par-dessus votre technique, et de vous mettre une tête comme ça, rien qu'avec des beignes, voyez? Allez, tenez. En plus, vous avez une épée magique. Merde, qu'est-ce qui se passe? Sire, j'ai fait une connerie? Vous voulez pas la reprendre, là? Ça me fout un peu les miquettes. Moi, je suis jamais rassuré avec la magie. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? Rien. Vous voulez pas me dire? Est-ce que vous croyez qu'on peut être complètement con et avoir quand même une belle vie? C'est pour moi que vous dites ça? Mais non. Ouais. Méfiez-vous des cons. Il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Allez, on commence. Bah, y a pas tout le monde? Comment ça, y a pas tout le monde? Vous voyez bien que si. Y a pas Lancelot? Vous voyez un fauteuil vide? Non. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Bah, qu'en plus de l'attendre, il faut lui trouver un fauteuil. On se pose juste la question. Mais y a pas de question à se poser! Y a 8 places autour de la table ronde pour plus d'une vingtaine de chevaliers. Il peut pas y avoir tout le monde à chaque fois. Non, mais on le sait bien que ça tourne. Nous prenez pas pour plus qu'on connaît. Mais Lancelot, ça fait quand même partie des fixes. Oui, je crois même que c'est la première fois qu'il est absent. Hein. Mais y a pas spécialement de fixe! Ah non, ça c'est sûr. Regardez-moi, je suis convié une fois de temps en temps quand il en manque un pour faire le compte. Bah moi, il me semble que je suis là à chaque fois. Ouais, bah d'ailleurs, on se demande. Vous devez sûrement être indispensable. En tout cas, je suis plus indispensable que Lancelot. Et toc, remonte ton slibard, Lothar! Quoi? C'est une expression. C'est comme... Eh oui, mémé, t'es bien mouché. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que vous arriviez pas à faire la part des choses. Même si vous êtes en froid avec Lancelot. De quoi? Ben quoi, de quoi? Qui c'est qui est en froid avec Lancelot? C'est pas vous. Moi, c'est ce que j'avais compris. Mais n'importe quoi, je suis en froid avec que dalle. Sire, loin de nous l'idée de nous immiscer dans votre vie personnelle. Je vous signale que quand vous aurez bien discutaillé une plombe et qu'il faudra se mettre à l'ordre du jour, vous allez tirer la gueule. Non mais attendez, il va attendre 2 secondes l'ordre du jour, on m'agresse là. Personne vous agresse, venez pas faire votre sucré là. On dit juste que vous savez pas faire la part des choses. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé chercher que je pouvais être en froid avec Lancelot, mais je vous annonce tout net, puisque ça vous intéresse, que c'est absolument faux. Le seigneur Lancelot et moi-même entretenons des relations amicales. L'autre jour, vous voulez quand même virer du commandement. Quoi? Commandement de quoi? À la bataille avec les Saxons, ça a gueulé pendant une demi-heure, et puis vous l'avez viré. Il est rentré chez lui comme une vieille crotte. Ah, vous voyez, vous arrivez pas à faire la part des choses. Part des choses. De quoi est-ce que je vous ai traité l'autre jour au bord de la rivière? De gros connard. Voilà, il est encore là. Pourtant, c'est un connard, ça change pas, ça. Un gros connard. Ok, mettons. J'ai pas convoqué Lancelot aujourd'hui, d'accord, j'ai eu tort. Mais alors, je vous pose la question. Lequel se barre pour lui laisser sa place? Calogrenant? Attendez, en tant que roi de Calédonie, je peux pas te virer. Je représente une majorité.
D'accord, donc pareil pour Léo Dagan, roi de Carmélide, égal Saint-Duc d'Orcanie. Hervé Drinel, ça va? Au moins, ça fait 6 fois que je viens pas. D'accord, donc c'est pas possible. On vire Bort? Bah, vous allez pas virer Bort. Après, il va pleurer et tout, ça va être le merdier. Bon, Perceval et Caradoc, on peut pas. Pourquoi pas? On sert à rien, nous. Ah non, ils doivent nous raconter ce qu'ils ont foutu pendant leur voyage en Gaule. C'est justement l'ordre du jour, pour ceux que ça intéresse encore. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, il reste plus que vous. Vous êtes content? On est bien avancé maintenant, hein? Moi, j'ai dit ça comme j'aurais pu dire autre chose. Du coup, il y a une place pour Lancelot? Je suis pas sûr que ce soit la chose à faire. S'ils sont en froid et qu'on met Lancelot à sa place? Ouais. Ce coup-là, faudra pas s'étonner que ça pète. Sire! Sire! Les Calédoniens nous provoquent! Oh. Bah alors là, je les attends, les mecs. Non, ils nous provoquent à la balle. À la balle? Ils disent qu'ils organisent une rencontre à la prochaine pleine lune et que si on n'y va pas, on est des moins que rien. Des pédales, ils disent sur le message. Non, mais Bort, non! On ne pouvait pas arbitrer et jouer en même temps! Ah bah oui, mais il n'y a que lui qui sait arbitrer! Oui, mais moi j'en ai marre de rester assis toute la journée à vous regarder. Aujourd'hui, je joue. Enfin, essayez quand même de garder un œil sur l'arbitrage, sinon ça va être un beau bordel, hein! Bon, allez, Perceval, à vous d'engager. Allez! Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous ouvrez! Qu'est-ce que j'ouvre? Vous lancez en premier! Bah, dites-le! Vous n'avez pas commencé avec vos termes pourris! Allez, bon. Oh, doucement au début, hein, commencez pas à bourriner comme des cons si c'est pour être assoupli. Vos conseils, bon, c'est bon, hein. Beau-père, commencez pas. Non, mais je vous préviens, hein, des ordres, vous en donnez assez comme ça, sur le terrain de jeu, vous nous foutez la paix. Il a pas tort, si. Bon, ok, pardon, réflexe, c'est pour moi. Hey, balle! Fagon! 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 Échange! Non mais que c'est nul, mais que c'est nul! Qui est nul? Vous êtes même pas capable de faire une passe de 3 sans vous emmêler les pinceaux! Et je la fais comment la passe de 3? Vous êtes à l'autre bout du terrain? Je suis à mon poste! C'est pas le cas de tout le monde! C'est pas la peine de vous bouffer le nez! Bord dit qu'il n'y a pas de faute! Mais non, je suis désolé, il n'y a pas faute! Mais qu'est-ce qu'il y connaît? On n'a pas le droit de contester l'arbitre! On n'a pas le droit non plus de lui foutre son pied dans les noix et pourtant ça pourrait bien arriver, hein! Violence! Violence! Mais ça va pas bientôt finir, non? Vous croyez que c'est comme ça qu'on va filer une peignée aux Calédoniens? Les Calédoniens les emmerdent! Ah oui, bravo, une belle leçon de sport. Oh. Bon, écoutez, Bort, jouez la faute, sans ça, ça sortira pas. Mais il n'y a pas faute. Allez. Mais bon sang, faites ce qu'on vous dit, on va pas y passer la nuit. Mais que c'est nul, mais que c'est... Ah non, il était déjà pas bon en arbitre, mais là... J'ai ripé. Non, là, sans déconner, c'est zéro. Même pas capable de tirer dans l'axe. Vous vous rendez compte que ça fait 1h30 qu'on joue, qu'il n'y a pas eu un point de marqué? On va passer pour les plus nuls de l'île de Bretagne. On est les plus nuls de l'île de Bretagne. On a vachement perdu en cohérence de jeu, quand même. J'en ai ma claque de cette partie, moi. Il faut finir à la figure. Bah, évidemment. Tenez, à propos de figure, allez faire la vôtre, Bort. Allez, allez. Allez. Pas mal. Une touche pour Bort. Pas mal. Allez, Lancelot. Allez. Ouais. Une touche pour Lancelot, avec doublette. Allez! Oh ouais! Voilà, avec une demi-passe! Mais ça compte ou ça compte pas la demi-passe? Ouais, c'est un peu. Allez! Top figure! Léon Dagan contre-attaque! Vas-y! Chariba! Vous êtes détonnés! Perceval! Pourquoi vous dansez là? Vous venez vous en prendre une? Mais je suis pas avec vous depuis le début, moi. Pourquoi fuis-tu, mignarde, si je suis près de toi? Quand tes yeux je regarde, je m'y perds dans moi.
Vous m'avez entendu chanter ? Non. Est-ce que c'est bien l'heure de taper la chansonnette, là ? Il n'y a pas d'heure pour chanter. C'est une excellente idée, Père Blaise. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Bohort, une basse, s'il vous plaît. Oh. Oui, parfait. Donc, sire, vous allez chanter la même note que Bohort. Oh. Très bien. C'est ce qu'on appelle un... unisson. Bravo. Maintenant, sire, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure. Oh. Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte. Oh. Voilà ! C'est tout ce qu'il y a ! Unisson, quarte, quinte et c'est marre ! Tous les autres intervalles, c'est de la merde ! Le prochain que je chope en train de siffler un intervalle païen, je fais un rapport au pape ! Et tous les gratte-caisses, là, sur le marché aux bêtes, avec leurs crin-crin pourris, et je te mets de la tierce, de la sixte, mais oh, là, ils se prennent pour qui ? Moi, ça me bousille les esgourdes, les sixtes ! Je suis déjà à moitié sourd ! Et si vous arrêtiez de gueuler un peu ? Mais enfin, Père Blaise, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez contre les tierces ? Ça me fait gerber. Sire, faites une tierce. Ah non, non, vous faites une tierce, je me tire. Majeur ou mineur ? Mais qu'est-ce que c'est ces conneries, là ? Majeur, mineur, mais c'est pour les dégénérer ! Il y a un seul truc de valable. C'est juste, 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 juste. Mineur. Mmh. Oh. Oh, mais arrêtez, hein, je vais mettre un dégobillé sur la table ronde. Bohort, vous faites une pédale sur diacyré. Voilà, c'est bien. Et là, vous, sire... Non, non, vous, sire. Sire, il se casse parce qu'il en a ras-le-bol. Vous, sire, vous reprenez à la quinte juste. Voilà. Là, c'est propre, c'est harmonieux. Oui, mais avec quelques fioritures, on passe très rapidement sur une petite sixte et c'est joli. Et c'est de la merde. Sire, une petite variation. Oh, mais vous êtes des malades ! Je vous préviens que si on met pas l'euro, là, tout de suite, dans 10 ans, tout le répertoire musical est pollué. Il faut plutôt voir ça comme une évolution. Il faut interdire les intervalles non justes, c'est tout. Sire, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, bon, d'abord, moi, j'en ai pas grand-chose à carrer. Sinon, moi, toujours des quartes, des quintes, des octaves, c'est un petit peu tendance à me gonfler, d'autant que je supporte très bien les tierces et renversements de tierces. Et j'allais même dire, un petit intervalle diminué de temps en temps... Diminué ? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Bohort, une pédale ? Enfin, je veux dire. Il n'y a pas de mal. Oh. Diabolus ! Et me marier sur un oranger. Et me marier sur un oranger, sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un oranger. Alors ? Ah ben, comme ça, ça passe ! Par contre, elle est chiante, cette chanson, parce qu'elle reste. Non, Bohort, on ne peut pas faire de feu en mission extérieure. La fumée attire les ennemis. Mais à chaque mission, avec toute cette viande crue, je contracte des maux de ventre parfaitement insoutenables. Mais rien ne vous empêche de prendre de la viande cuite avant de partir. Et comment je la mange sans feu, la viande cuite, s'il vous plaît ? Froide ? Qu'est-ce que vous glandouillez là, beau-père ? Non, rien. Je regarde un truc. Quoi comme truc ? De la fumée. Et quoi ? Un départ d'incendie ? Bah non, j'ai pas l'impression, c'est de la fumée blanche. Bah, je sais pas, moi, c'est un bouseux qui fait cramer des feuilles, non ? Non, c'est en plein milieu de la forêt, y a rien, cet endroit. Y a pas de ferme, pas de bergerie, rien. Bah, s'il y a de la fumée, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Bah, c'est justement ce que je suis en train de me demander, commencez pas à me gonfler. C'est rien, moi, j'arrive là, vous êtes en train de vous faire du mouron. Mais non, parce que c'est bizarre, c'est tout, de la fumée blanche qui sort de nulle part comme ça, là. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous foutre, vous, d'un moment ? Vous, vous êtes même pas curieux, vous. Pomme. La meilleure façon d'être fixé, c'est encore d'y aller. Oh, on va pas crapahuter jusqu'à là-bas, hein. Pourquoi pas ? Bon, ben, allez. Oui, ça, ah ouais, ça passe pas. La fumée, autant ça se voit bien de chez nous, autant d'ici...
quand même. Partout, on a bien pris dans le bon sens. Mais dans le bon sens par rapport à quoi? Mais c'est pas compliqué, bon Dieu, on a vu la fumée, on a dit tac, c'est tout droit par là. Comment voulez-vous tailler tout droit dans une forêt où il y a un arbre tous les trois pieds? Ça fait 10 ans que je vous dis de la raser, ça sera un prix de forêt. Au moins, on verrait clair. Oui, bah ça ralentit les ennemis. Non, bon, il n'y a pas que les ennemis, pardon. Vous sentez rien? Non. Si, ça sent la fumée. Ça vient de là. Eh oh! Ah, sire, enfin! Ah bah on peut dire que vous tombez bien. C'est vous la fumée? Mais qu'est-ce que vous foutez au juste? Ah, c'était pour prévenir le château. Prévenir de quoi? Bah qu'on était paumés. Puis heureusement que vous arrivez parce qu'on commence à crever de soif. Ah oh, ben merde, on n'a pas amené de flotte nous. Ouais, d'ailleurs on n'a pas tellement amené de cartes non plus. Comment ça? Je veux dire par là que si vous êtes paumés, nous on l'a peut-être aussi. Oh, qu'est-ce que vous racontez? Bah quoi, vous savez rentrer vous peut-être? Bah... ouais, faut voir. Bon, ben, s'il y en a un qui se sent l'envie, il faudrait pisser sur le feu. Ça fait une fumée plus blanche. Viens donc, Gauvin. Qu'est-ce que vous foutez là? J'observe l'horizon, mon oncle. Ah, très bien. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose qui m'intrigue. Quoi comme chose? Une épaisse fumée blanche s'élevait de la forêt ces jours-ci. Aujourd'hui, plus rien. Vous l'avez vu, la fumée? Comment ça? On a fait de la fumée, comme des ânes, pendant 2 jours, en espérant que quelqu'un nous voit. On était allé chercher Lancelot et Calogrenant, et puis on s'est paumé. On a fait de la fumée pour que quelqu'un vienne nous chercher. Comment voulez-vous que je comprenne? Enfin, moi, je vois de la fumée, je me dis, bah tiens, il y a de la fumée. 4 jours, on a mis, pour revenir dans un chien. Bah, croyez bien que si j'avais su... Alors, quand vous voyez de la fumée blanche, comme ça, qui sort de nulle part, il n'y a rien qui vous intrigue. Mais qui m'intrigue, si, mais enfin, c'est pas pour ça que je vais aller voir. Vous l'auriez fait, vous? Mais on l'a fait, nous, on laisse pas les petits copains dans la merde. On y est allé chercher Calogrenant et Lancelot. Mais alors, pourquoi vous avez mis si longtemps à revenir? On a oublié les cartes. Non, mais attendez, changez pas de conversation. Oui, j'aime pas bien ça, hein. Eh, c'est pas de la fumée blanche, ça? Oh, si. Ouais, en plein milieu de la forêt. Ouais. Eh ben, hein? Oui. Ils se démerdent, les mecs. Trop bon, trop con. Y a quelque chose qui vous chiffonne? Non, je regarde les plaques, là. Combien il y en a? 7. Ah, parce que je me disais, premier jour d'entraînement à la casse, attention de pas sauter les étapes trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, avec 5, déjà, on a de quoi commencer. Vous savez, quitte à roupiller, autant rester dans vos pioles, hein, c'est pas la peine de vous mettre en tenue. Non, non, mais on roupille pas, sire. On se prépare. Qu'est-ce que vous manigancez avec ça? C'est pour notre entraînement à la casse. On a décidé de commencer assez modeste. Quitte à finir plus haut que prévu, hein. Progressif. Vous allez casser les pierres, là? Ouais. À main nue. Bah ouais. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais je devais aller chez Dagonet, mais ça fait rien. Vous restez assister 2 minutes? Je vais vous dire. Même si le pays était à feu et à sang, il serait hors de question que je loupe un truc pareil. Allez-y. Attendez, 2 secondes. Je voulais vous dire quelque chose. Je gueule souvent sur vous. Non, c'est vrai, je suis un peu sec, tout ça. Mais pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Ah bon? Oui. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cigare. Je vous embête plus, allez-y. Première chose, essayez de concentrer sa force vers le bas. Afin d'affiner le mouvement pour atteindre le point d'impact de façon péremptoire. De façon péremptoire? Bah oui, la force vient dans ce sens-là et les plaques sont péremptoires par rapport à l'axe. Perpendiculaire? Attention, nous on parle du croisement des axes. Non mais perpendiculaire, ça marche aussi. Comme les plaques sont péremptoires ou perpendiculaires par rapport au sol... Parallèle? Non, mais nous, on veut dire que ça tranche. Ouais, mais vous dites ça tranche, alors ce sera plus simple. Parce que... Ça tranche? Ça veut dire que ça se croise? Attendez. Les plaques et le sol, ça se croise pas, c'est parallèle. Si vous voulez du perpendiculaire, vous avez le sol et les tréteaux, par exemple. Ah non, on s'en fout, on va pas casser les tréteaux. Et si je vous dis que vous êtes 2 glands, là, vous avez du péremptoire. C'est vous qui voyez.
Allez-y, sire, montez sur les plaques. Monter sur les plaques? Pourquoi faire? Comme ça, vous voyez que c'est pas truqué. Non, non, mais c'est bon. Allez-y, montez! Mais non, enfin, vous allez pas me faire crapahuter là-dessus, je le vois bien que c'est pas truqué. Qu'est-ce que vous foutez? Je vous prouve qu'il n'y a pas de système caché. Non, mais c'est bon maintenant, arrêtez le cirque, enfin, on va pas y passer la journée, je vous dis qu'il faut que j'aille chez Dagonet. Alors j'attends que vous vous pétiez un bras et je me casse, maniez-vous le tronc. Mais on peut pas se péter un bras. À partir du moment où c'est bien péremptoire... Ouais, sauf que... Quoi encore? Y a quelque chose qui vous gêne? Je me demande si 5 plaques, ça fait pas un peu gonzesse quand même, hein. On va commencer avec 12, ça fera un palier. Et après, on fera 13, 14, 15. Enfin, tous les chiffres impairs jusqu'à 22. Prêt? Prêt, sire? Ah bah, moi, oui. Vous voulez qu'on essaye avec 10? Bon, allez, j'éteins. Mais vous pourriez me demander, quand même. Qu'est-ce qu'il faut que je demande? Si je suis d'accord pour que vous éteigniez. Je peux éteindre? Non. Allez-y. Super. Eh ben, c'est gai. Pas tellement, non. On peut savoir ce qui va pas? Que j'en sais, moi. C'est pas gay parce que c'est pas gay, c'est tout. Et on peut faire quelque chose pour que ça soit plus gay? Non, mais oh, ça va, non? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Quoi, c'est de ma faute, peut-être? Mais c'est ni de votre faute ni de la mienne. C'est pas gay parce que, voilà, on bouffe, on se fait chier. Ça nous fait des belles soirées, hein. C'est peut-être pas avec moi que vous devriez les passer, aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je trouve pas normal que vous démerdiez pas pour faire un petit repas avec une copine ou deux, là. Vous rigoleriez sûrement plus. Mais quelle copine? Mais voilà, c'est bien le problème, vous n'en avez pas. Comment? Mais je ne vous permets pas, j'ai de très bonnes copines. Où ça, dans votre pays natal? Ici, à Kaamelott. Ici, à Kaamelott, vos copines, c'est mes maîtresses. Et alors? Bah, et alors, c'est d'abord mes maîtresses avant d'être vos copines. Et puis, ne me prenez pas pour une bille, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de copines parce que vous n'êtes pas foutu de vous en faire. Qu'est-ce que vous me faites, là? À quel propos? À propos que, sauf erreur de ma part, on est en train de bouffer avec votre boniche. Je vous en prie, je suis gouvernante. Oui, enfin, vous changez les draps, quoi. Hein? Je suis déjà pas poli avec les empereurs romains, je vais pas me gratter pour une gouvernante. Vous apprendrez qu'Angarade est ici en qualité d'ami. Et non, en tant qu'employé de maison. Entre parenthèses, je sais que c'est un effet de votre bonté. Enfin, si je dois être franche, je me sens plus mal à l'aise qu'autre chose. Mais... Soyez tranquille, vous êtes mon ami, il ne peut rien vous arriver. Si, d'être mal à l'aise. Sans déconner, c'est tout ce que vous avez trouvé comme ami. Figurez-vous que c'est pas si simple de trouver une femme bretonne de moins de 35 ans qui soit pas votre maîtresse. Eh ben rien ne vous empêche de taper dans le troisième âge. Ça réglerait le problème de la gaieté des repas du soir, ils sont tous couchés à cette heure-ci. Si monsieur et madame préfèrent s'envoyer des fions dans l'intimité, je peux aussi me retirer. Personne vous retient. Restez, c'est un ordre. Un ordre. Je suis pas casqué pour surveiller les cuillères pendant les séances d'engueulade, moi. Donnez des ordres à vos amis maintenant. Je comprends que vous n'en ayez pas des masses. Mais je suis vos conseils, mon bon ami. Je m'entoure, je me fais des relations. Oh non, mais c'est prestige. J'ai jamais dit que j'étais du prestige. Non, non, vous avez bien fait. De toute façon, je suis la reine. J'invite qui je veux à ma table. Ok. Qu'est-ce que vous manigancez encore? Bah quoi? Vous invitez vos amis, je peux bien inviter les miens, non? Ce n'est pas votre ami, c'est une boniche! Et alors? La vôtre, c'est la duchesse d'Aquitaine, peut-être? Non, non, moi je suis gouvernante. Elle, en revanche, c'est une vraie boniche. Vous savez même pas comment elle s'appelle. Le c'est une esclave grecque. Elle parle même pas la langue. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si j'ai envie d'avoir des amis qui parlent pas la langue. Attention, hein! Si c'est votre maîtresse, ça compte pas comme ami! Mais j'ai jamais dit que c'était ma maîtresse! C'est pour votre maîtresse. Peu importe, si ça se trouve, vous êtes en garade, hein, moi je peux tout vérifier. Ah, c'est la plus forte de la semaine, celle-là, là. C'est de la provocation. Bon, bah allez, on va pas s'engueuler, hein. Une belle soirée entre potes comme ça. Allez, machine, faites péter votre coupette. On s'entend comme larron en foire. Je suppose que vous ne venez pas au grand pique-nique dans les collines demain. Si. Si? Je croyais que vous supportiez pas les sorties de groupe. Je vous préviens, on est 8, hein. On n'est pas 8, on est 9. Quoi? Je viens avec ma copine.
Oh non, c'est ridicule. Vous allez pas venir avec une esclave, vous savez même pas comment elle s'appelle. J'en ai rien à foutre de comment elle s'appelle, c'est ma copine. Ils ont tout saccagé, ces salauds. Et la garde a pas bougé un orteil. Mais qui c'est qui était responsable de la garde hier soir? Oh, dites, me demandez pas de balancer, s'il vous plaît. Bah, c'était pas vous? Non, monseigneur, c'était Bort. Vous croyez pas que vous avez quelques explications à nous fournir? Je me sens pas très à l'aise. Vous voulez qu'on vous rappelle les faits? Je suis pas sûr que ça me mette à l'aise. Hier soir, une douzaine d'individus masqués se sont introduits dans l'enceinte du village fortifié. Ils ont pillé la taverne de la Corneille et la boutique de Bonsal, le vendeur de boucliers. Voilà, alors des connards qui viennent mettre le bras au village, c'est pas les premiers. Moi, ce qui me gêne un petit peu plus cette fois-ci, c'est que, visiblement... Les bandits n'ont rencontré aucune résistance. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Oui, mais enfin quand même, aucune résistance. Hier soir, le responsable de la garde, c'était vous. Je vois où vous voulez en venir. Mais honnêtement, je me sens pas très à l'aise. Non, mais on va arrêter de tourner autour du pot. S'ils ont rencontré aucune résistance, c'est qu'il n'y en avait pas. Les gardes n'étaient pas à leur poste. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Encore une chance pour vous, parce que là, c'était une bande de cake à la petite semaine, mais si ça avait été des vrais salopards, il y en aurait eu de la victime. Et ça aurait été pour votre cul. Maintenant, vous allez nous expliquer comment ces cons-là sont rentrés dans le village sans croiser un garde. Les malfrats ont dû trouver une faille dans notre système de ronde. Ah bah, je pense bien. Et puis, elle est pas dure à trouver, la faille. Y a pas de garde. Oh, pas de garde. Faut rien exagérer. Bort, on a des témoins. Lors de l'attaque, ça faisait 2 heures qu'on n'avait pas vu passer une ronde. Et vous, où est-ce que vous étiez fourré? Mais ici, dans ma chambre. Et pendant que vous dormez, qui est censé vous prévenir en cas de pépin? Le sergent. Et il était où, le sergent? Avec les autres gardes. Mais où? J'assume ma faute, sire. J'étais en charge de la coordination, il y a eu un impair. Prenez les sanctions qui s'imposent. Alors celle-là, j'avoue que je m'y attendais pas. Bort qui affronte la sanction, ça me coupe le sifflet. C'est louche quand même. Comment ça louche? Soyez pas en train de couvrir quelqu'un, Bort. Je tiens tout de même à vous rappeler que, fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Qui est-ce que vous protégez? Répondez, Bort. De toute façon, je finirai par le savoir. Jamais. Jamais je ne trahirai mes camarades. Quels camarades? Allez, vous en avez déjà trop dit, là. J'ai pas dit camarades, j'ai dit caravane. Laissez-moi tranquille, vous êtes des monstres. L'incident n'a fait aucune victime. Allez, Bort. Dites-nous tout. Voilà plusieurs semaines que les seigneurs Caradoc et Perceval organisent des parties de dés avec les soldats de la garde. Ils se réunissent dans une taverne et jouent jusqu'au petit matin à un jeu du Pays de Galles dont seul Perceval connaît les règles. Je suis un misérable. Non, Bort. Vous avez fait ce qu'il fallait. Promettez-moi de ne pas être trop dur avec eux. Oh bah là, ils vont quand même manger bon, les deux fumiers. Hein. N'oubliez pas que l'incident n'a fait aucune victime. Seigneur Caradoc, mais qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous connaissez pas le jeu du caillou? Et vous croyez que c'est malin de faire ça? Ah, c'est sûr, je préférerais jouer aux quilles. Mais mon frère, le jeu du caillou, il n'y a que ça qui comprend. Vous croyez qu'il serait content, Arthur, de vous voir vous tourner les pouces? Ça va, je m'occupe de mon frère. Caradoc, il s'occupe, mais c'est pas ma tatan. Et vous avez pas quelque chose de plus intelligent à lui faire, votre frère? Mais il peut pas les faire, les choses intelligentes. Hier, je l'ai emmené au poulailler, il a tué 2 poules avec une bassine. Elle est où, la poulette? Si vous croyez que c'est facile. Mais qu'est-ce qu'il fait là, votre frère, d'abord? Il a pas un chez lui? Chez ma tante, mais elle me l'a collé dans les pattes. Les pattes de canard! Il me crève. D'ailleurs, si vous pouviez me remplacer le temps que j'aille pisser. Quoi? Mais vous allez pas bien, non? Je peux pas le laisser tout seul, il va attaquer quelqu'un. Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche de vos histoires? Il faut juste faire attention qu'il vous lance pas le caillou dans la tête. Ah! Là, ça fait un point pour moi, là. À Caradoc. De quoi? De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Où est la poulette? Vous jouez plus?
à Cadoc. Qu'est-ce que vous chantez, bon sang? Il dit que c'est à lui de jouer. C'est lui, il s'appelle Cadoc. À Cadoc. Ah ben mon vieux, c'est pas simple. Alors faut pas essayer de parler quand je suis pas là, c'est un coup à piquer une crise de nerfs. Allez, jouez! Très bien. Ah, il s'en sort pas mal, hein. Il a toujours été doué avec ses mains. Chez ma tante, il paraît qu'il a fait une reproduction de la ferme, tout en bouse et en petits bouts de bois. Un peu loin. Qu'est-ce que vous faites? Bah quoi, c'est pas à moi? Vous restez jouer? Bah oui, maintenant qu'on a commencé. Allez. Ah zut, j'ai pris un caillou trop léger. Mais qu'est-ce que vous foutez? Sire, vous allez rire. Ça m'étonnerait, je signale que ça fait une heure que je crapahute dans les étages pour vous trouver. On joue au jeu du caillou. Quoi? Moi j'ai juste surveillé le frère de Caradoc pour lui permettre d'aller uriner. Où elle est la poulette? Mais arrêtez de discutailler, 5 minutes, j'arrive pas à me concentrer. Allez, mais ça se joue vite, ça, sire. Fouillez-le un peu à l'instinct aussi, hein. Mordu. Stop. Mais reculez votre pied, vous verriez bien que vous marchez sur la ligne. Voilà. Ah ben, mon vieux, c'est pas de tourpeau. J'en ai marre, j'ai hâte que ma tante vienne le chercher. T'attends, elle fait des flancs. Est-ce qu'on pourrait savoir ce que c'est que ce chantier? Ah ben vous êtes là, vous? Oui, je suis là. Vous voyez le machin en face de vous avec un toit pointu? Eh bien, c'est une chapelle, un lieu de recueillement. Oui, bon, bah ça va. Écoutez, on a eu un petit coup de sang. Sans blague. Et vous êtes obligé de venir hurler ici. Il ressemble à Tatan. Ah, c'est vrai! Désolé, mais il y a quelque chose. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ces cailloux de merde, là? C'est pas la peine de s'en prendre aux cailloux. Bon, allez, un machin. À Cadoc. Oh. Je sais, il est chiant, il gagne à tous les coups. Sire, un paquet pour vous. Mais pourquoi vous cavalez? C'est urgent. Et sûrement, ça vient d'un chef de clan. Qu'est-ce que c'est qui pue comme ça? C'est le paquet, sire. J'ai l'impression que c'est de la fiente. Vous en tirez une tronche, pardon? Y a quelque chose qui vous tire l'épine? J'ai des problèmes avec un chef de clan. Alors bon, lequel? Un calédonien. Il veut pas se rallier, il fout la merde, les autres clans commencent à se poser des questions. Ben, cette idée de fédérer les clans aussi, je vous ai dit, le seul moyen de les fédérer, c'est de tout cramer. Il y en a un qui fait un peu le mariole, mais les autres ils se tiennent à carreau, je vous fais remarquer. Oui, jusqu'à ce que ça pète. Ben justement, avant que ça pète, il faut que je règle la question. Que les autres comprennent qu'on peut pas venir me souffler dans les branches comme ça. Qu'est-ce qu'il dit votre chef de clan au juste? Qu'ils ont pas besoin d'être fédérés, qu'il faut qu'ils protègent leur identité ethnique. Je vous balancerai tous ces cons requins, moi, ça serait vite fédéré. Absolument que j'évite la révolte. Cramez tout. Il n'y aura pas de révolte. Bon, alors, aujourd'hui... Ah bon, c'est plus moi qui dis l'ordre du jour. Non, mais c'est pas dans l'ordre du jour, ça. Ah, moi, je vais le rajouter, alors. Non, mais c'est bon, je voudrais juste dire un truc. Si vous me l'aviez dit, je le rajoutais... Bon, merde avec l'ordre du jour. Donc, on a un problème avec un chef de clan. On aura toujours des problèmes avec les chefs de clan, faut les zigouiller. Non, beau-père, ne commencez pas. N'empêche. C'est un calédonien. Calogrenant, vous le connaissez peut-être. Vous savez, moi, le chef de clan, je passe pas ma vie avec, hein. Alors, celui-là s'appelle Conran, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est le vieux connard qui est sur la côte. Il est déjà venu m'emmerder 2-3 fois. Et qu'est-ce qu'il veut exactement? Il veut pas se fédérer. Encore? Pff. Quoi encore? Ben, j'en ai marre. Ça revient à chaque fois sur le tapis, ça. Quoi, ça? Fédérer. D'habitude, je dis rien, mais là, zut, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je veux bien faire des efforts pour comprendre les réunions, mais il faut que chacun y mette du sien aussi. Alors là, on est parti pour une heure avec des fédérés par-ci, des fédérés par-là. Je vais encore rien biter et ça me gonfle. Notre roi a décidé il y a quelques années de rallier les clans autonomes de Bretagne à la cour de Camelot afin de centraliser les actions militaires et de faciliter les transactions territoriales à l'aide d'une monnaie commune. Si c'est ça encore, ça va. Attendez, on dit chef de clan parce qu'il faut dire quelque chose, hein. Mais Conran, il doit avoir 3 cailloux sur la plage, ils sont une dizaine à tout casser et c'est tous des clodos, alors. N'empêche que c'est un clan. On va pas commencer à faire de poids de mesure. Cramez tout ça, je vous dis. Pardon, mais la plupart des chefs de clan se sont ralliés à Camelot le plus volontiers du monde et ce sont à présent de fidèles alliés. Et puis quand ils viennent faire la fiesta ici, ils amènent toujours des spécialités régionales. Ouais, mais là, Conran, il dit aux autres chefs de clan qu'on profite d'eux, qu'ils y perdent plus qu'ils y gagnent, enfin bref,
qu'ils ont pas besoin de nous, quoi. C'est surtout nous qui n'ont pas besoin d'eux. Hervé, c'est pas vous qui étiez chez Conrad la semaine passée? Si, on tournait d'inspection. Et alors, vous avez eu bon accueil? Bah, ils m'ont dit d'aller me faire mettre. Après, ils m'ont jeté des gadins et une marmite avec un restant de soupe de poisson. Ah, mais c'est ça qui pue. C'est toujours votre chef de clan qui vous obsède? Quand je pense à ce que j'ai fait pour eux et que je vois comment ils me chient dans les bottes, je sais pas ce qui me retient de faire flamber leur cahute à ces cons. Eh ouais. C'est pas les idées qui vous manquent. C'est la conviction de devoir les réaliser. Vous en avez déjà rencontré des empereurs romains? Je les ai tous rencontrés. Depuis Valentinien III, quand j'étais tout petit. Bah alors, ça fait quel effet? C'est marrant. Ils se prennent tous pour Marc Aurèle, ils font des phrases à rallonge. Il croit qu'ils impressionnent. Et celui de maintenant, il vous a dit quoi quand vous l'avez vu? Il m'a dit t'es rien qu'un vilain. Enfin, il a 11 ans et demi aussi. Vous connaissez pas la dernière de votre fils? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Monsieur Yvain raconte à tout le monde qu'il s'appelle le chevalier au lion. Le chevalier au lion? En quel honneur? Il dit que ça fait hyper classe. Oh. Je sais plus quoi faire avec lui. Il va même plus aux entraînements, soi-disant qu'il arrive pas à se lever. Bon, ben vous inquiétez pas, beau-père. Moi non plus, à son âge, j'arrivais pas à me lever. Parce que vous pensez que vous êtes un exemple? L'éducation, faut pas la faire soi-même. Faut confier ça à des agressifs. Pour Arthur, j'ai choisi ce qu'il y avait de plus sec. Voilà. Tout de même, si vous parlez du père adoptif... Anton? Bah ouais, moi je le connais. Oh, c'est plutôt le bon gars, il me semble. Non, mais Anton, c'est quand il était petit. Le sevrage. Mais dès qu'il a eu 10 ans... Non, merde. Alors quoi? Non, pff, intéresse personne, ces histoires. Ah si? De 10 à 20 ans, il a été élevé par les Romains à l'école militaire. Par les Romains? Dites tout de suite que vous avez honte de votre éducation. Mais ça n'a rien à voir avec la honte. N'empêche que vous vous êtes bien gardé de le dire à qui que ce soit. Ben évidemment, je peux pas raconter ça comme ça, vous voyez bien les réactions que ça suscite. Quand je pense que j'ai marié ma fille à un Romain, je suis à deux doigts de cramer le château. Oui, ben pour une fois, je suis d'accord avec lui si on avait su ça. Mais si vous aviez su ça quoi? N'est pas me la jouer. Votre fille, vous l'auriez mariée à n'importe qui pourvu qu'il soit roi de Bretagne. À n'importe qui sauf à un Romain. Mais je suis pas Romain. Ça vous pose un problème que mon fils ait suivi le cursus militaire le plus réputé du monde? Et le peuple breton, il est au courant, à votre avis, que le roi est Romain? Mais je suis pas Romain. Merde! Quand je vais annoncer ça aux collègues, va y avoir un beau bordel, hein! C'est moi qui vous le dis! Ah non, y a pas à les raconter ça sur les toits quand même! Ah ça, mon petit père, vous pouvez compter sur lui! Mon petit père? Vous n'allez pas vous laisser parler comme ça? Une fois j'ai craché sur les pompes de l'empereur Justinien, alors je vais pas me gratter pour l'un de ses sous-fifres! Mais je bosse pas pour Justinien, quel rapport? Un Romain, c'est un Romain! Mais je ne suis pas Romain! C'est pareil! Vous en collez des tables rondes, moi! La fraternité, votre grade, vous irez le chercher tout seul! Et si vous le trouvez, vous pouvez vous le mettre où je pense! C'est assez déroutant de s'apercevoir qu'on est marié à un homme qu'on connaît si peu! On nous a présenté 3 jours avant notre mariage, je vous rappelle. C'est maintenant que vous êtes dérouté? Mais tout de même, depuis le temps, c'est incompréhensible que ça soit pas venu sur le tapis! Parce que c'est peut-être pas si important que ça! Oh bah, je suis mariée à un Romain quand même! Je ne suis pas Romain. Ah oh bah, c'est pas ce qu'il vous faut! Bon, à votre avis, de l'armée de Rome ou de la mienne, quelle est la plus puissante? Vous me demandez ça à moi, mais j'en sais rien, moi. L'armée de Rome, je suppose. Tout juste, ils sont 1000 fois plus nombreux. S'ils voulaient raser la Bretagne, ça leur prendrait une grosse matinée, à tout casser. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent de laisser un roi local fédérer les clans bretons? J'en sais rien, moi, parce qu'ils sont gentils. Parce que je suis de chez eux. Si j'avais pas fait mes classes à Rome, il y aurait pas de Camelot. Allez, regardez ce que j'ai retrouvé. Oh, c'est Romain? Oui, c'est celui que je portais quand j'avais 19 ans. Je peux? Alors? Est-ce que je fais romaine? Absolument pas. Tu n'es pas assez chic, c'est ça? Ce n'est pas le port de tête de vos anciennes conquêtes latines? Non, mais les Romains ne portent pas de casque, c'est tout. Sire, vous qui avez la capacité de la voir, elle ressemble à quoi, la Dame du Lac? Elle est belle. Et vous, enfin, je veux dire, il y a eu quelque chose entre... Non. Non, non, non. Pourquoi? Une question de caractère? Oui, et puis on vit pas sur le même plan astral aussi, alors c'est le merdier. Qu'est-ce qui se passe, hier? Rien, la Dame du Lac. Écoute.
Écoutez, je suis désolée de vous déranger en plein milieu de vos obligations, mais c'est urgent. Je vous écoute. Vous écoutez qui, sire ? Ah non, attendez. Ouf. Pas me la faire à chaque fois, celle-là. Je parle avec la dame du lac. Alors, comme vous ne pouvez ni la voir ni l'entendre, vous attendez que j'ai fini, et surtout, vous ne posez pas de questions. D'accord ? D'accord. Bon. J'ai rien dit, moi. En fait, ce serait pour une petite mission, mais je voudrais pas vous surcharger de travail. Vous m'avez l'air bien à bloc, déjà. Hein ? Oui, non, mais c'est vrai, mais enfin, ça n'empêche pas de... Bon, allez, on laisse coucher, parce que c'est pas tout ça, mais demain, il y a fête à bras. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a demain ? Bah, faut qu'on se tire en mission de je sais pas quoi. Mais où ? Je sais plus. Un cadeau de la dame du lac, il paraît. Alors, celle-là, chaque fois qu'elle se pointe, le lendemain, craque, il faut se tirer à l'autre bout du pays pour récupérer une merde. Parce qu'elle est venue aujourd'hui ? Ah, en plein milieu de la salle du trône. Voyez ici le tableau. Mais vous l'avez vu, vous ? Ah, bon, non. Non. Alors, ni moi, ni personne. Il y a que notre bon roi. Ouais. Ah, bah, nous, on peut pas prétendre. Hein. Non, vous comprenez, nous, on vaut pas la peine. Alors. Moi, je croyais que comme c'était la cousine du roi, elle voulait voir que lui. Parce que c'est une personne sensible, qui est facilement impressionnée en société. Non, mais c'est pas ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Non, c'est pas ça du tout. Non, vous avez carrément rien bité au tableau. La version officielle, c'est qu'il y a que lui qui peut la voir. Bon, la version à Bibi, c'est qu'il a rien de trop bien de mieux pour se rendre intéressant et pour nous faire bosser deux fois plus. Et quel rapport avec le fait que c'est sa cousine ? Mais il n'y a pas de cousine, il n'y a pas de dame du lac. Tout ça, c'est de la flûte. Ah bah, si elle existe, qu'elle se montre. En attendant, c'est juste une combine de plus pour nous prendre pour des billes. Mais elle se montrera jamais, de toute façon. Elle est facilement impressionnée en société. Ah ! Que se passe-t-il, sire ? Encore la dame du lac ? Oui. Alors, je suis désolée de vous déranger, mais j'ai entendu dire qu'il y en aurait certains, dans votre entourage, qui remettraient mon existence en question, rapport au fait qu'ils ne me voient pas. Et c'est juste maintenant que vous l'entendez dire, ça ? Eh ben, il serait temps. Je vous signale que ça fait des années que tout le monde se paye ma gueule et me prend pour un givré de première avec cette histoire. Alors du coup, je me suis dit que je pourrais peut-être apparaître aux yeux de tous. Mais juste un coup. Ça couperait court au ragot. Ah, mais si vous pouvez le faire, alors ne vous privez pas, je vous en prie. Oh, mais c'est Bohort. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qui se foutait ? Bah quoi ? Ça vous va pas ? Je suis désolée, je peux pas apparaître sous ma vraie forme. Mais pourquoi en romain en plus ? Bon, j'allais pas venir toute nue quand même. Je crois que je vais me sentir mal. Mais enfin, sire, qu'est-ce que ça signifie ? Bon, allez, non, c'est bon, cassez-vous. Ben quoi ? Comme ça, c'est clair. Moi, c'est pour rendre service. Ça. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle pue les pieds, la carte. Et ça ? Oh, merde ! C'est vrai, ça aussi. Non, bah c'est moi, alors. Je pue les pieds. Ça englobe un peu. Je peux vous parler, mon ami ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez ce que c'est, ça ? Un oreiller ? Bon, alors attention, maintenant, c'est là que ça se joue. Alors ? Alors quoi ? Votre première impression. Celui-là, il est plus sale, non ? Comme vous le dites. Et maintenant, si je vous dis que j'ai fait changer ces oreillers hier soir ? Je sais pas bien quoi dire. Bon, écoutez, vous m'aimez ? Bah oui. Vous comptez me garder ? Oui. Alors aujourd'hui, vous allez prendre un bain. Venez. Je le sens pas. Venez, je vous dis. Je suis pas dans mon assiette. Vous m'avez fait tout un cirque pour pas que vous le preniez tout seul. Maintenant que je suis dedans, vous venez. Déjà, je vous regarde, comme ça je saurai comment on fait. Bon, écoutez-moi bien. Là, je commence à en avoir plein le dos de passer toutes mes journées à aérer la chambre. Et j'aimerais bien que pour une seule fois dans ma vie, je n'ai pas l'impression de dormir dans un chenil. Je suis désolée, mais les autres, ils prennent pas plus de bains que moi. Les autres. Mais est-ce que les autres, comme vous disent, dissimulent des moitiés de fromage sous leurs vêtements ? Est-ce qu'ils se trimballent toute la journée avec des pâtés de campagne dans leur poche ou des saucisses dans leurs bottines ? C'est du manger, ça. Ça sent pas mauvais. Caradoc, soit vous montez dans ce bain, soit vous me perdez.
Ouais. Ouais quoi? C'est pas mal, ça détend. Ah, vous voyez? Il manque quelque chose. Du savon? Non, non. Je saurais pas dire quoi, mais il manque quelque chose. Je vais vous dire, l'hygiène, on s'en fait tout un monde, et puis finalement, il suffit de passer le cap. Est-ce que vous savez où vous êtes pas savonné? Oh, deux secondes, y a pas le feu à la baignoire. Une petite tartine? Bon, et tant que vous y êtes, vous ferez les cheveux aussi. Tout ce que vous voulez, mamie. Et puis les orteils, parce que je suppose que vous comptez pas vous immerger de façon régulière. Bah pourquoi pas? Ça peut m'éviter de schlinguer du cul, je peux bien me tremper une ou deux fois par an. Bon, vous savez que je prends 4 bains par semaine. Ouais, mais vous, c'est n'importe quoi, vous sentez plus rien. Ok, je sens la poule moisie, mais au moins je sens quelque chose. Le plus curieux, c'est que vous êtes irréprochable sur votre hygiène dentaire. Les chicots, c'est sacré. Parce que si je lave pas maintenant, dans 10 ans, c'est tout à la soupe. Et le mec qui me fera manger de la soupe, il est pas né. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Vous êtes rentré de voyage? J'arrive à peine. Alors, les Carpates ont-elles eu le loisir de vous plaire? Carpates, ouais. C'est chouette, je dis pas. Par contre, j'ai dû bouffer une saloperie, j'arrête pas de gerber du sang. Qu'est-ce que vous avez exactement? Genre sérieux? C'est justement pour ça que je viens vous voir, parce que je sais pas ce que j'ai. C'est peut-être une indigestion? Pourquoi une indigestion plus qu'autre chose? J'ai même pas dit où j'ai mal. Je sais pas, je dis une indigestion comme je pourrais dire autre chose, c'est pour aider. Vous avez mal au ventre? Non. Bah c'est pas ça alors. Je supporte plus la lumière du jour. C'est-à-dire? Rien que celle-là qui passe par la fenêtre, déjà ça me brûle. Et vous savez quoi? Je suis sûr que c'est depuis que l'autre con m'a mordu. Quel autre con? Un chef d'as. Un grand mec tout bizarre avec les dents pointues. Je suis sûr que c'est lui qui m'a refilé cette saloperie. Tiens, regardez ce qu'il m'a fait ce connard. Ah ouais. Un das. Ouais, ben. Revenez dans 3 jours, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, vous approchez personne surtout. 3 jours? Vous pouvez rien faire tout de suite? Ah bah tout de suite, faudrait que je vous plante un pieu dans le cœur et que je vous coupe la tête. C'est vous qui voyez? Sire, je voulais vous parler d'une chose. Sire... J'ai froid. Vous voulez que je vous fasse apporter une couverture? J'ai froid en dedans. Si vous projetez toujours d'acheter les marais du seigneur de Dagonet, je crois que le mieux, ce serait de l'inviter à la chasse au loup de la semaine prochaine. Il n'y a pas de chasse au loup la semaine prochaine. Il n'y aura plus jamais de chasse au loup. Qu'est-ce que vous voulez dire, sire? À partir de maintenant, le premier qui touche un loup, je l'empale au sommet d'une colline. C'est de la merde, ce feu. Quand j'ai pas mangé, je suis un peu soupoulé. Ça fait effet? Ouais, je crois, oui. Voilà, avec ça vous êtes sorti d'affaire. Ça me fait bizarre. Ah bah dites, c'est normal, vous revenez de loin. Non, ça me fait bizarre de vous voir réussir quelque chose. Ah oui, non mais là c'est pas moi qui ai fait la fiole, c'est Elias. D'ailleurs, vous me devez 130 pièces d'or. Non, Seigneur Bohort, ça va? Vous avez pas l'air dans votre assiette. Qu'est-ce que la bonne humeur, Seigneur Lancelot? Une illusion éphémère, un mirage de l'esprit qui bien vite s'évanouit. Mais vous êtes dans votre assiette ou pas?
routes sont enneigées, les routes sont enneigées, c'est tout. Mais on peut plus circuler, venez pas dire que c'est pas un problème. Bah, chacun chez soi, du coup, ça évite les visites d'emmerdeurs. De toute façon, on va pas pelleter la neige nous-mêmes. Pourquoi? Vous avez trop de boulot? Nous, on l'a fait ce matin pour dégager la porte du château, je peux vous dire, c'est pas de la tarte. Regardez ça, j'ai de la corne sur les doigts, on dirait des pieds. Franchement, c'est pas faisable. Pas faisable? Vous mériteriez que je vous colle au pelletage d'ici jusqu'en Calédonie, rien que pour la forme. La neige, on l'enlève, elle revient. Toujours. Encore et encore. Et nous, pauvres âmes chagrines, nous perdons nos regards dans l'horizon blanc de notre solitude. C'est pas grave, oh, c'est pas grave. Vous avez eu un petit coup de mou, là. Je suis désolé, sire. Tout ça est ridicule. Mais ça fait rien, ça arrive. Craquer comme ça en pleine séance de la table ronde, c'est honteux. Je vous dis que c'est pas grave. Vous savez ce que c'est, on essaye d'être fort, de tenir le coup, et puis un jour, craque, les nerfs lâchent. Le problème, c'est qu'il restait pas mal de choses à voir. Je sais, je suis confus. À quoi, c'est vrai? Je supporte plus la neige. Oui, enfin, moi, je crois que vous traversez une mauvaise passe et que du coup, vous voyez tout en noir. En blanc. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas spécifiquement la neige le problème. Sire. Il faut délocaliser Kaamelott. Délocaliser Kaamelott? Mais qu'est-ce que nous chantez, Bort? Il y en a marre de ce temps de merde, sire. On peut pas mettre le nez dehors sans attraper une fluxion de poitrine. Bon, attendez, faut rien exagérer non plus. Hein. Qu'est-ce que j'exagère? Vous allez me parler de l'été, c'est ça? De malheureux mois par an avec un soleil tout pâle et un vent à faire s'envoler les pierres? Je vois pas bien ce que vous voulez qu'on y fasse, Bort. Reconstruisons Kaamelott en Andalousie. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille foutre à l'Andalousie? En plus, c'est plein de Visigoths là-bas. Mais on s'en fout, on les défonce! Et après? Du soleil dans nos cœurs? Ah! Bon, ça y est, c'est le grand départ? Ça y est, sire. Me voilà fin prêt pour l'Andalousie. Vous avez fait préparer votre message pour les Visigoths? Je vais être franc, Bort. Le message pour les Visigoths, c'est un peu un prétexte, en fait. Moi, ce qui compte, c'est que vous alliez vous requinquer. Bon, si par la même occasion, on peut en profiter pour passer notre bon souvenir au peuple Visigoth, ça coûte pas plus cher. Voilà, vous y allez, vous faites un petit coucou en passant, mais surtout, vous vous reposez. Mais alors, sire, en réalité, vous m'offrez des vacances? Exactement. Je m'excuse, mais il n'y a pas de raison que je sois le seul de mes camarades à aller me dorer le cuir aux frais de la princesse. Quelle princesse? Bort, je vous donne l'ordre de vous rendre immédiatement en Andalousie pour y rencontrer le chef Visigoth et lui transmettre le message de paix suivant. Coucou. Si, c'est trop, je ne peux pas accepter. Mais vous allez vous barrer, oui. Je dois rester, ne serait-ce que par solidarité avec mes camarades. Mais tirez-vous, l'on a un chien! C'est grotesque, sire. Ma place est parmi vous. Passez-moi le truc, là. Ça, merci. Garantie que vous allez les prendre, ces vacances. Ouais. Sire, vous n'allez pas me tirer dessus! J'ai pas. Ah! Sire, c'est passé à ça! Ça ce midi? Bon, on dirait, ouais. Ça vous ennuie? Non, non. Bah non. Les champs sales doivent pas être loin, hein. Non, non, mais c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je les fais appeler ou pas? Les appeler? Bah, vous êtes pas dingue, ils vont venir après. Ils sont fiers de vous, vos hommes, vous croyez? Faut leur demander, je crois, ouais. Les miens, je sais pas. Pour la plupart, ils ont les jetons, ça c'est sûr, mais alors, de là à dire qu'ils sont fiers. Hein. Pourquoi vous pensez à ça? Je sais pas, ça m'embête de jamais savoir ce qu'ils ont dans le crâne. Quand on commande, on s'éloigne de ses hommes, c'est comme ça. Et si on faisait quelque chose pour remonter notre côte? Qu'est-ce que qu'on fasse? On aille prendre une murge avec eux à la salle des gardes? Mais non, quelque chose de prestigieux. Qu'ils disent que c'est pas pour rien si c'est nos patrons. Non, mais pas besoin de ça. Non, mais vous croyez vous impressionner parce que vous avez ce calibre. Mais méfiez-vous, parce qu'une épée magique, si vous faites rien avec, vous avez encore plus l'air con qu'avec une épée normale. J'en sais rien, moi, qu'est-ce que vous proposez? Une quête, un truc balèze. Avec un monstre impressionnant, un trésor, mais on part à deux, vous et moi. Et quand on revient, c'est nous les héros. Ouais, enfin, un truc balèze avec un monstre impressionnant, du coup, on n'est pas sûr de retenir. En tout cas, faut que ça ait l'air impressionnant. Vous voulez vraiment pas me dire où on va? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est du musclé. Péteux s'abstenir, hein. Sauf que vous êtes paumé. Pas du tout.
Vous arrêtez pas de regarder de tous les côtés, vous êtes paumé. Je suis momentanément égaré. Et même vous qui vouliez du prestige, avouez qu'on commence fort. Bah, les temples perdus, imaginez-vous que c'est pas fléché. On navigue dans le mystérieux. Et si vous me disiez où on va, je pourrais peut-être aider. On va dans un temple perdu. Et je vous en ai déjà trop dit. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça change? Je vais bien finir par être au courant, de toute façon. Mais c'est pour garder le côté un peu... jouer le jeu un peu aussi. Enfin, quelqu'un vous l'a bien indiqué, ce foutu temple. Oui, mais vous savez ce que c'est, les indications orales. Ça rentre par une oreille. Eh ben, j'espère que ça vaut le coup, votre truc. Ah là, par contre, je me suis pas foutu de vous. Des sacs d'or plein une pièce. Et pour garder le tout, une hydre à 6 têtes. Une hydre à 6 têtes? Ouais, votre Altesse. Eh, moi, j'ai déjà fait à 4 têtes. Eh ben, c'était pas une soirée crêpe, j'aime autant vous le dire. Moi, j'ai fait à 6 têtes une fois. Ah, et alors? Failli rester. Oh. Et on était 3. Vous êtes sûr du coup, là? Bah, je vous avouerai, j'ai demandé un truc costaud, que quand on revient, on puisse se la jouer un peu. Ah, bah, avec une hydre à 6 têtes, on va pas se la jouer longtemps, j'aime autant vous le dire. De toute façon, on est paumé, alors... Eh ben, qu'est-ce que vous foutez? Ça me dit quelque chose, ce coin. Bon, ben, vous commenterez la visite une autre fois, hein. Non, mais sans blague, j'ai l'impression que je suis déjà venu. Mais non, mais quand on est dedans, ils se ressemblent tous, les temples perdus. Comment vous avez dit qu'ils s'appelaient, déjà? Parce qu'au point de vous l'avoir dit, j'en sais rien. Ce serait pas le temple de... Milir... Milir! Non, c'est ça, le temple de Milir. Ouais. Bon, alors, on se la charcute, cette hydre, ou on fait un feu de camp? C'est celle-là, d'hydre. C'est celle-là quoi? C'est celle-là que j'ai tuée. Il n'y a plus d'hydre là-dedans depuis un bon moment. Bon bah impeccable. On n'a plus qu'à ramasser le pognon alors. Vous vous doutez bien que je me suis pas farci une hydre à 6 têtes pour repartir comme j'étais venu. J'ai tout pris. Quoi? Bon, c'est une blague. Elle date un peu vos informations, soit dit sans vous froisser. Vous êtes sûr de votre coup là? Je ne passerai pas pour un con auprès de mes hommes. J'ai dit, je ramène un trésor. Mais combien est-ce qu'il faut que je mette, moi? Ben, la moitié. La moitié de combien? De 15 000. Ah, oh, ben, il faut que c'est un peu de gueule, hein, c'est sûr. Mais on s'en fout, de toute façon, sur le repartage derrière. Vous vous rendez compte? Que le temps que la lumière met à atteindre notre œil, on voit que des choses passer. Hein? Ben ouais, si ça se trouve, je regarde l'image de ce feu alors qu'il est déjà éteint. Ouais, faut remarquer, c'est comme moi, hein. Parce que là, j'ai l'air d'en avoir plein le cul, mais ça se trouve, je suis déjà parti me coucher. Bon, alors je vous préviens, je suis pas contente. Quand vous apparaissez, vous pouvez m'envoyer un petit signe avant, comme ça je me dis, tiens, elle arrive? Les dieux ont décidé de prendre des mesures. Des mesures par rapport à quoi? Par rapport à vos résultats déplorables, rien n'avance. Rien n'avance. Vous avez vu les coups de main que vous me donnez aussi? Une fois sur deux, vous m'envoyez dans le mur. Ça va, hein, personne n'a dit que vous étiez seul responsable. Vous leur avez dit, oh Dieu, le temps que je perdais à vous ramener des objets magiques tous plus débiles les uns que les autres et dont tout le monde se fout? J'ai pas voulu me mettre dans une trop mauvaise position non plus. Eh ben, vous manquez pas de souffle. Oui, eh ben, quoi qu'il en soit, je vous ouvre une porte du chaos. Une quoi? C'est une porte dimensionnelle qui permettra aux pires créatures de l'univers de venir semer le chaos à Kaamelott. Désolé, mais j'ai des ordres. Bon courage. Merde. C'est affreux. Sire, quittons le pays, je vous en conjure. Les démons n'ont maintenant qu'un pas à franchir pour arriver ici. Les démons? C'est une porte dimensionnelle qui ouvre sur le plan démonique? Ben non, juste sur l'univers, je crois. Mais j'ai dit démons comme j'aurais pu dire autre chose. Ouais, mais c'est pas pareil. Les démons, on peut les combattre qu'avec la magie. Vous voulez dire qu'avec Merlin? Nous allons tous mourir! Partons d'ici sur le champ! Non. Moi, elle m'a dit... les pires créatures de l'univers. Oh, bah alors c'est juste une porte qui donne sur un autre endroit de notre plan. Il faut s'attendre à la visite de formes extraterrestres. Ah bah ça va! Excusez-moi d'avoir paniqué. Finalement, c'est pas des démons. C'est juste les pires bestioles de tout l'univers. Mettons deux gardes là-devant et allons boire un coup. Oh, mais vous allez la fermer, oui, Bohort. On essaie de réfléchir. Mais arrêtez de réfléchir et allez faire vos valises avant qu'un gugus ne débaroule de je ne sais quelle galaxie pour nous désintégrer! Ah, ça se précise. Oui, il y en a un qui tente sa chance. Mon Dieu, les démons sont en route! Non, c'est pas des démons. Ah, merde! Laissez-moi profiter de mes derniers instants. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites là, trou de cul? Mais vous connaissez?
Ah bah elle est pas mal celle-là. Ils parlent notre langue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où est-ce que vous venez? C'est ça. Demandez-lui le nom de sa planète, on gagne du temps. Vous aviez pas vu ce machin au milieu de la cour? Un grand truc tout noir, tout bizarre. Un peu dans ce genre-là. Ah bah ouais, pareil, mais dans la cour. Ses intentions sont-elles pacifiques? Vous voulez dire que cette porte mène... Bah dehors, en bas des escaliers, près du poulailler. Mais elle s'est gourée, cette conne de Dame du Lac. Cette voix m'est familière. Ah! Ah! J'étouffe! À moi! Je suis touché par une arme d'une civilisation supérieure! Seigneur Perceval? Mais où est la créature? Attention, regarde! En fait, quand vous avez franchi la porte de la cour tout à l'heure, vous saviez pas ce qui vous attendait derrière. Ça aurait pu être du courage. C'est dommage que dans votre cas, ce soit de l'inconscience. J'ai vu des étoiles. Alors que moi, mon rêve, c'est de voyager dans l'espace. Ah bon? Ouais. Vous savez qu'en fait, la Terre, elle est ronde? Non, mais sans déconner, sire. Ouais, c'est bon. Et que si quelqu'un pouvait voyager à la vitesse de la lumière, dans le sens inverse de sa rotation, il pourrait remonter le temps. Flatté que vous m'ayez fait confiance, sire. Moi, je vous ai fait confiance? Quand ça? Bah là, puisque je vous seconde. Ça fait 50 fois que je vous le dis. Quand je vous demande un truc, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Là, je suis désolé, tout le monde s'est barré. Même si je suis le dernier, vous pourriez avoir quand même confiance. Bah, je pourrais, oui. Mais non. Donc, qu'est-ce que je dois faire exactement? Rien. Faites rien, surtout. Vous écoutez. D'habitude, c'est Lancelot qui vous assiste. J'ai peur de faire une connerie, je suis stressé. Oui, moi aussi. Vous êtes stressé? Non, moi aussi, j'ai peur que vous fassiez une connerie. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, les paysans? Ben, c'est rien, ce qu'ils veulent, ils vont bien le dire. Si je savais un peu avant, je pourrais me préparer. Vous préparez à quoi? Je vous ai dit de la fermer, de toute façon. Et si je dis un truc qu'il faut pas dire, et qu'après, il y a une révolte paysanne? Caradoc, je tente de vous faire comprendre un principe simple depuis un moment, ça n'a pas l'air de passer. Je vous interdis catégoriquement de prononcer un mot. À la limite, vous me faites un léger signe discret s'il y a un truc capital. Genre comme ça? Je vais le tuer, sire. Je vais tellement sitain et taper sa gueule qu'il va décéder. Sire, je serai vous, je tiendrai la garde pas trop loin. Si je décide de tomber dessus à l'autre machin, là, ça va être une tornade. Il n'y a plus un meuble debout dans la baraque, hein. Alors, pour rester dans l'ambiance, vous allez vous calmer, mais alors fis ça, parce que sinon je vous fais tous les deux coller au trou. Remarquez, il n'y a pas besoin de s'énerver, il a qu'à me rembourser la bête qui m'a buté, et puis c'est tout. Il y en a pour 30 secondes. Ouais, mais j'en connais des versions de 30 secondes, moi, hein, tiens. Je vous file un grand coup de bêche dans la tête, et puis on n'en parle plus. Non, mais j'aime bien quand vous venez, c'est vrai. J'ai toujours été fasciné par le monde paysan. Alors, à qui c'est qu'elle est morte, la vache? Oh, bah, d'ici, on se connaît quand même maintenant, hein. J'ai quand même autre chose à faire qu'aller buter des vaches. Ma vache est allée faire un tour sur son champ. Elle avait rien à y foutre déjà pour commencer, hein. Et ça va bien qu'elle est morte toute seule, sinon j'ai foutu un coup de fourche, moi, au bazar. Et puis quand elle est revenue, elle avait chopé toutes les maladies qui existent, d'un seul coup. Ouais, parce que quand elle est arrivée, elle était en pleine forme, hein. Elle avait déjà toute la moitié arrière qui était morte depuis 15 jours. Il me rembourse la bête ou ça sera un bain de sang. Je génocide. Je lui rembourse mes genoux. Et s'il a filé la vérole à mes bêtes, je suis un marteau, moi. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château, je vais flamber la moitié de la Bretagne. Bon, Guetno, vous remboursez Repartz. Non. Très bien, Repartz, vous l'avez dans l'os. Non, mais là, ça pue la révolte. Il y a du saccage dans l'air. Non, mais vous allez faire chier le monde pendant combien de temps, vous, encore avec vos vaches pourries, là, hein? Vous voyez pas que vous êtes pas fait pour l'agriculture, hein? Vous avez qu'à vous recycler dans la mendicité. En plus, vous avez déjà la tenue. Qu'est-ce qu'il a, le bourgeois? Il a les yeux qui piquent? Mais non, c'est l'atmosphère qui est poussiéreux. Bon, bah alors, maniez-vous! Moi, je donne une vache à Repartz. Quoi? Comme ça, tout le monde est content. Voilà, bien. Ça, c'est du gouvernement. Oh, bah dites donc, vous avez drôlement des vaches à perdre, vous! Mais enfin, n'empêche que le problème est réglé. Merci, Caradoc. Voilà, mais comme ça, on pourrait suivre l'évolution des bêtes chez lui, là-bas. Parce que la vache, dans 15 jours, hein, elle ressemble à une chèvre à démier, et dans un mois, elle est moisie sur pattes. C'est un beau geste que vous avez fait. Enfin, on peut pas tout régler comme ça. Vous allez pas donner une vache personnelle... Une vache personnelle? J'ai pas de vache, moi. Quoi? J'ai dit ça en tant que chevalier de Camelot. On lui donne une vache de Camelot. Non mais, Camelot, c'est pas une coopérative bovine. On n'a pas de vache. Merde, il faut que j'achète une vache. Vœux de quoi? Vœux de probité. Nous souhaiterions faire vœux de probité, mon oncle. Mais vous savez ce que ça veut dire, au moins?
dans les grandes lignes. En tout cas, on trouve que vœux de Prométhée, ça fait quand même hyper classe. Je suis désolé, sire. Je sais que vous êtes en pleine séance de doléances, mais il fallait absolument que je vous voie aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, une catastrophe ? C'est pour la fête des fruits rouges, sire. Si je n'envoie pas toutes les invitations aujourd'hui, elles n'arriveront pas à temps. D'accord, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi ? C'est à propos du seigneur Lancelot, sire. À chaque fois, je me trouve ennuyé. C'est un peu délicat. Par rapport à quoi ? Je ne sais jamais si je dois envoyer un carton pour une ou deux personnes. C'est pas la peine de parler doucement, hein. Une fois pour toutes, est-ce que, oui ou non, le seigneur Lancelot a fait vœu de chasteté ? Bah, non. Enfin, il me semble pas. On ne le voit jamais accompagné. Vous non plus, hein. Vous avez pas fait vœu de chasteté, que je sache. Si ? La réunion d'aujourd'hui sera entièrement consacrée aux vœux. Quel vœu ? Bah oui, justement, en feuilletant mes notes, je me suis rendu compte que, question vœux, je sais pas qui fait quoi. C'est un vrai merdier, ça mérite d'être éclairci. Ouais, moi non plus, je me souviens plus. Je sais qu'il y en a deux ou trois d'entre vous qui ont promis plus ou moins des trucs, mais par exemple, vous, Calogrenant, vous avez fait un vœu ou pas ? Bah, c'est-à-dire que moi, à une époque, j'avais pensé à... au courage. Ou à la justice, je sais plus. Non, mais attendez, un vœu, c'est pas un machin qu'on balance entre la poire et le fromage. C'est un serment devant Dieu. Devant Dieu ? Ah bah non, alors. Non, moi j'avais juste dit, faut avoir du courage, la justice c'est mieux, un truc comme ça. Bon, Bort, vous aviez fait quelque chose, vous, ou pas ? Eh bien, moi, je pense qu'une des plus grandes valeurs du chevalier, c'est l'intégrité. Non, mais ça, on s'en fout, c'est pas un vœu. Moi, à une époque, je voulais faire vœu de pauvreté. Et alors ? Bah, avec le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. Donc, si je comprends bien, il y en a pas un qui a fait un vœu. C'est pas vous qui avez fait vœu de pénitence ? Ah non, c'est vous. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Ça risque pas d'être moi. Non. Vœu de pénitence, c'est moi. Ah, Seigneur Hervé de Rinel, vœu de pénitence. Par contre, je sais pas vraiment ce que ça veut dire non plus. Je peux vous poser une question, Seigneur Lancelot ? Je vous écoute, sire. C'est un peu gênant. Je vous en prie, allez-y. Vous avez fait vœu de chasteté, vous, ou pas ? Vœu de chasteté ? Mais absolument pas. Voilà, d'accord, c'est ça. J'arrivais pas à me souvenir si vous l'aviez fait ou pas. Mais quelle idée ! Non, parce que je suis désolé, je savais que vous aviez fait un vœu, mais pas moyen de me souvenir duquel. Alors comme ça, ça me semblait le plus plausible. Oui, c'est-à-dire, comme on vous voit jamais avec personne... Parce que j'ai fait vœu de noblesse. Et que pour moi, la noblesse, ça passe aussi par ne pas se vautrer dans le stupre avec la première venue. Oui, bah, donc, pardonnez-moi, enfin... Comme personne ne trouve grâce à vos yeux, vu de l'extérieur, ça ressemble quand même vachement à un vœu de chasteté. Excusez-moi, Seigneur Lancelot. Enfin, vraiment, s'il y a un truc de sûr, c'est que j'ai pas dit ça pour vous vexer. Je sais, sire. C'est pas grave. C'est pas toujours facile de voir clair dans votre intransigeance, vous savez. Ne vous inquiétez pas, sire. Dans peu de temps, je pense pouvoir vous donner une preuve très nette que je n'ai pas fait vœu de chasteté. Ah ? Mais je la connais ou pas ? Ah, ça m'inquiète, je m'étonne de plus voir votre fils à la table ronde, c'est tout. On traverse une mauvaise passe, c'est l'âge, hein. Une petite crise, quoi. Mais on peut faire quelque chose pour l'aider à la résoudre, cette crise ? Oh non, je m'en occupe. Hein. Je viens de le coller 3 jours sans bouffer. Si ça suffit pas, j'enferme dans une cage sans lumière. Mais j'attends lundi quand même pour aviser. Il paraîtrait que je suis dur. C'est pas beau, ça ? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi ? J'ai tout essayé avec ce gosse. Pas de bouffe, pas de flotte, les avoines, pas moyen. Pas moyen de quoi ? Pas moyen qu'il m'écoute ! Je suis son père, quand même ! Alors mettez-vous à ma place, de racler en racler, je suis découragé. Mais qu'est-ce que vous lui demandez, par exemple ? Bah, de se lever avant 2 plombes de l'après-midi, déjà, d'être poli avec sa mère. Bon, alors je sais bien que c'est pas facile, hein. Moi j'ai jamais pu. Mais enfin, comme je lui dis au gamin, c'est quand même pas héréditaire, si. Mais lui, est-ce qu'il vous explique pourquoi ? Pourquoi quoi ? Bah, pourquoi il se lève pas, par exemple ? Mais est-ce que je sais, moi ? J'ai pas été lui demander. Du coup, comment vous voulez régler le problème ? Vous savez rien ? Je veux quand même pas commencer à écouter ses justifications, j'ai pensé pourquoi. Essayez, qu'est-ce que ça coûte ? Vous l'écoutez jusqu'au bout, sans le couper. Écouter son môme ? Eh ben... Non, mais pourquoi pas ? C'est quoi, cette mascarade ? Ça y est, ça commence. On mange que tous les trois, comme par hasard. Peut-être qu'on a besoin de vous parler. Oh, j'en étais sûr. Si on vous parle, vous écoutez, puis c'est tout. Attendez, attendez, je crois qu'avant de parler, il est important de faire preuve d'écoute. Moi, je m'en fous, je m'en vais. Restez assis. Non. Si, si, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous casse votre assiette sur la tête.
l'écoute. Allez-y. Allez-y quoi? Dites-nous ce que vous avez à nous reprocher. Ah, super, et pour que je m'en prenne une? Oh, mais quel est con! Nous, vous parlez, nous, on vous écoute, sans vous couper. Sans me couper? Sans vous couper. Allez, maniez-vous le cul! Non, s'il vous plaît. Oh, vous freinez un peu sur les grimaces? Non, s'il vous plaît, fermez-la, ou vous prenez une avoine. J'estime ne pas avoir à subir les fantasmes carriéristes d'une entité générationnelle, réactionnaire et oppressive. Mais qu'est-ce que non, ça... Non, 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 non. Non, on se tait et on écoute sans couper. Vous avez compris quelque chose, vous? Non, mais je n'ai pas coupé. Je peux y aller maintenant? Tout à fait. Merci, mon grand. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué, l'éducation. Vous pouvez tout inculquer à n'importe qui. Putain, mais c'est pas con, ça. Ah, c'est vous. Quoi, c'est moi? Je vous cherchais. Vous me cherchez à 3h30 du matin? Non, je voulais juste vous dire deux mots sur cette histoire de tourelle. Ah non, vous n'allez pas recommencer à me bourrer le mouet avec vos tourelles? Non, 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 justement. Justement quoi? Et j'avoue que je me suis montré un peu obstiné. Un peu obstiné, mais ça fait des semaines que vous me cassez les couilles. Eh ben, cette fois, je vous écoute. À propos de quoi? J'écoute ce que vous avez à dire sur les tourelles et je vous coupe pas. Et après? Après, j'aurai entendu ce que vous avez à dire et on pourra recommencer la discussion sur des bases saines. Hein? Qu'est-ce que je fais alors? Je vous dis ce que je pense des tourelles? Exactement, allez-y, je vous écoute et je vous coupe pas. Bon, bah, je pense qu'on en a pas besoin. Que j'ai pas envie de claquer du pognon dans de la construction maintenant. Et puis que, de toute façon, si on veut nous envahir, c'est pas trois tourelles qui vont changer quelque chose. Voilà. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Les tourelles, c'est le nerf de la guerre, là! Enfin, je me ruine le gosier à vous le dire sur tous les tons, enfin! Avec vos conneries modernes, je passe pour un con, c'est tout. Vous passez pour un con parce que vous écoutez? Mais évidemment, les gens sont pas débiles non plus. Ils voient bien que c'est du flan. Mais parce que c'est du flan? Mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Mais de la vraie écoute qui mène à la réflexion. Quelle réflexion? Vous avez dit écoute, vous n'avez pas parlé d'autre chose? Si vous me dites pas tout aussi... Et si vous alliez vous mettre à une table? Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Ça m'est égal. Bah, votre table est propre. Je viens de remettre une bûche au feu. Vous allez être comme des œufs en gelée là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pour. Ouais, allez. De temps en temps, faut prendre le taureau par les cornes. Bon, on va peut-être se rentrer, non? Allez. Hey, est-ce qu'il serait partant pour un cul de chouette? Ah, ça, ça se refuse pas. Cul de chouette, c'est le jeu de l'autre fois avec Élie, là? Allez. Un peu de détente, bon Dieu, on n'est pas des chevaux de trait. Je me souviens plus, on jouait avec les règles à l'Aquitaine? Oh bah, moi ça m'est égal, c'est le seigneur Perceval qui choisit. Ah bon? Suivant comme vous avez l'habitude. Qu'est-ce que vous préférez mieux? Ce que je préférerais, ce serait qu'on joue un jeu de chez moi. Moi j'ai rien contre. Moi j'avoue que des jeux du Pays de Galles, j'en connais pas des masses. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Le sirop? Enfin, avec mes règles simplifiées, parce que les règles originales, elles sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça joue à trois. Enfin, c'est bon, on va se démerder. Le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est trois, il y a trois valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va dire sirop de 8, sirop de 14, sirop de 21. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est des valeurs. Si vous lancez une valeur en début de tour, mettons sirop de 8, pour commencer petit, les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14. Mais dans quel sens on tourne? Dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. Oui, mais je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien, parce que là, j'y arrive pas bien à me représenter. Là. Bon, alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, et vous dites file sirop, soit vous sentez de relancer, et vous annoncez un sirop de 14. Vous, comme on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer avec un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour. Et vous dites couche sirop, ou sirop Jeannot, ça dépend des régions. Et après, soit on fait la partie, soit je fais un contre-sirop, boum. Et à partir de là, sirop de pomme sur 21, donc on fait la partie en 4 tours jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sirote. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8 et vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14 et vous dites beau sirop, sirop gagnant et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21 et vous dites beau sirop, mi-sirop, siroté, gagne sirop, sirop golo, passe montagne, sirop bon goût. Oui. Mais moi, je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Vous avez raison, simplifier. Même simplifier, j'y arrive pas encore bien à me représenter.
Sinon, moi, j'aime bien les règles originales, mais c'est trop compliqué. Les gens, ils ont envie de faire une petite partie pour se détendre. S'il faut passer 3 heures à apprendre les règles. Bon, qui c'est qui commence? Pour le premier tour, ça n'a pas d'importance. Bon, bah, je me lance. Ah non, 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 mais ça joue pas avec des dés, ça joue avec des cartes. Ah bon, bah, moi j'en ai pas des cartes. Ah merde. Ça fait rien, on va essayer avec les dés. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. C'est où, beau-père? Ouais. J'arrive pas à dormir, je suis descendu casser une graine. Moi, pareil. Quand on dit qu'on dort, on maigrit. Ça doit venir de là. Ben moi, je sais pas où, mais ça m'a retourné, cette mission. Oh, je pense bien, attendez, on est rentré dans le labyrinthe, c'était quoi? C'était... Moi, 1h du mat. Voilà, et puis c'est pas compliqué. Quand on est ressorti, le soleil se couchait. Alors, le calcul est vite fait. Qu'est-ce qu'il y en avait, des gobelins? Je crois que j'en ai jamais vu autant d'un seul coup dans le même endroit. Ah, moi, j'ai dû en buter pas loin de 60, hein. Ouais, moi, pareil, il y a eu le pif. Puis alors, ceux-là, je les aime pas, hein. Ouais, seulement quand ils sont là, ça veut souvent dire qu'il y a un gros paquet de pognon quelque part dans le coin. Oui, votre Altesse. Ouais. Sans vouloir flamber. Il y avait combien dans le sac, au final? C'est rien, moi. Vous n'avez pas compté? Mais comment voulez-vous que je compte? C'est vous qui avez le sac. Mais pas du tout. C'est vous qui l'aviez tout le long du chemin? Dans le labyrinthe, oui. Et puis quand on est sorti, c'est vous qui l'avez pris. Mais non! Mais c'est pas vrai! Ah non, mais je vous jure, on va venir crapahuter là-dedans à 3h du matin, il y a vraiment de la bulle. Je vous le fais pas dire. Tout ça serait pas arrivé si vous pouviez tenir un sac d'or pendant plus d'une lieue sans vous essouffler. Mais c'est vous qui aviez le sac. Bon, en attendant, qui est-ce qui prend les points de repère, là? Parce que pendant qu'on court, je vous rappelle pour mémoire qu'on est dans un labyrinthe. Alors, on a eu du bol tout à l'heure, mais faut peut-être pas chercher la merde non plus. Mais les points de repère, c'est vous qui les preniez aujourd'hui? Mais non, vous m'avez dit je prends les points de repère. Mais j'ai jamais dit ça. Oh, mais vous le faites exprès ou quoi? Vous voulez dire que là, par exemple, là, vous savez pas retourner à l'entrée? Bah évidemment que je sais pas retourner à l'entrée, vous me prenez pour un clébard. Eh ben, et ça, qu'est-ce que c'est? Comment, qu'est-ce que c'est? Des gobelins? Mais je croyais que vous aviez fini de tous les buter. Mais vous êtes gonflé, c'est vous qui avez dit j'en ai buté 60. Ben 60, oui, mais vous avez dit j'ai fini de les buter. De buter les miens, oui, pas les vôtres. Oh, mais quoi, les vôtres? Enfin, y a pas mon nom dessus, quand même. Bah, du coup, si ça se trouve, c'est eux qui ont repris le sac. Bah, eh, ça dépend, où est-ce que vous l'avez posé? Mais c'est pas moi qui l'avais. Oh, non, mais faire du labyrinthe avec un trou de balle pareil, faut drôlement de la vaillance, hein. Bon. Tiens, vous êtes là? Pas moyen de pioncer. Moi non plus. Et les jours se lèvent. Sans déconner, vous savez pour combien il y en avait dans ce sac? J'ai vaguement idée, oui. C'est pas à pleurer de s'asseoir sur un pognon pareil. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu en foutre, nom d'un chien, nom d'un chien? Vous dites on, il y a du progrès? Mais je dis on pour pas dire vous. Histoire de pas remettre ça. Vous faites bien. Oh putain, ça y est! Ça y est quoi? Je me souviens où je l'ai posé, ce compte-sac. Quoi? Vous me l'avez refilé vers la sortie, je l'ai posé dans un recoin pour ajuster mes sangles, et j'ai dû me barrer sans le reprendre. Vous voulez dire qu'on repart, là? Il n'y a pas moyen de pioncer, de toute façon. Attendez, je prends du singe pour la route. Oh! Comment ça, c'est là? Bah ouais, c'est là que je l'avais posé. Il n'est pas là? Bon, mais je me gourde d'endroit. Mais comment vous pouvez vous gourer? Vous m'avez dit, je suis sûr. Ben, soit je me gourre de coin, soit je me gourre tout court, et c'est pas moi qui avais le sac. Merde, mais il y en a combien de ces cons-là? Comment ça se fait qu'on a que deux gardes aujourd'hui? Je crois que les autres, ils sont en stage. En stage? En stage de quoi? Je sais plus. Une formation de chef de milice, je crois. Pas bien. Mais vous vous souvenez pas? Quand ils sont venus nous voir, comme quoi garde, ça pouvait être qu'une situation transitoire, et qu'ils voulaient se donner les moyens d'appréhender leur carrière avec enthousiasme. Ça
C'est où que vous partez déjà? J'ai pas compris. En Calédonie. Je pars. Je pars pas vraiment. Commencez pas à jouer sur l'affectif. Bah, vous venez pas de nous dire que vous partiez? Si, mais c'est pas définitif. Simplement, en Calédonie, les agriculteurs, c'est des vrais débiles. Ils sont pas foutus de faire sortir un radis. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, vous, des radis de Calédonie? Bah, ils me demandent des conseils, vous voyez. Ils comprennent rien. Là, ils sont sur un projet de plan de cresson. Comme je leur dis, un crucifère. En sol argileux, mes colons, vous êtes pas prêts à vous faire une salade? Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous, ici? Je vous ai mis deux petits gars formés par mes soins. Un pour les cultures, puis un pour les bêtes. Mais je comprends pas pourquoi vous partez. Je suis désolé. Ici, c'est vous qui chapeautez tout. Eh, mais là, ça me donne l'occasion d'être consultant, vous voyez. C'est tout frais payé. Puis ici, c'est peut-être toi qui chapeaute, mais je passe quand même mes journées à bêcher de la bouse. Mais vous nous aviez jamais dit que vous vouliez être pape. Mais parce que l'occasion s'est jamais présentée. Mais là, c'est l'aubaine. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, maintenant? Un scribe, ça se remplace pas comme un valet de pied. Mais si je me présente pas maintenant, ils vont en élire un autre, et je serai marron. Parce qu'après, pape, c'est pour toute la vie, hein. Suffit qu'ils prennent un genou. Moi, je peux faire une croix dessus. Mais pourquoi ils vous éliraient? Ils vous connaissent pas. Moi, j'aurais tenté le coup, hein. Qu'est-ce que ça coûte? Et la quête du Graal, ça aussi, vous laissez tomber? Je croyais que vous trouviez ça grandiose. Ouais, non, mais la quête du Graal, tout ça, c'est sympa. Mais bon, là, on parle d'autre chose, hein. Là, pape. Mais je vous parle de devenir pape! Oui, bon, bah ça va, on a compris, pape. Moi, je l'ai croisé une fois, le pape. Sans déconner. Bah, évidemment. Bah, c'est un guignol comme un autre, hein, faut pas croire, c'est pas parce qu'on dit pape. Mais c'est une question de pouvoir. Moi, je vous préviens, hein, dans pas longtemps, les chrétiens, c'est eux qui mèneront la danse dans toute l'Europe. Hein. C'est maintenant qu'il faut être sur le coup. Vous imaginez le fourbi que ça va être de trouver un scribe chrétien qui retranscrive la légende? Mais il suffit de trouver un type qui reprenne le truc jusqu'à ce que je revienne. Et si vous devenez pape et que vous revenez pas? Non, mais attention. Si je deviens pape, il n'y a rien qui m'empêche de revenir ici une fois de temps en temps faire un petit coucou. Vous parlez d'une journée. Ah, sire, puisqu'on a deux secondes, il fallait que je vous parle. Vous savez, au début de cette histoire... Quelle histoire? Ben, la table ronde, la quête du Graal, tout ça, quoi. Ah ouais, eh ben... Au début, il y avait énormément de bonne volonté. Puis tout était à faire. Même Kaamelott, il a fallu construire, hein. C'était stimulant. Parce que maintenant que c'est fini de construire, c'est plus stimulant. C'est pas pareil. Non, aujourd'hui, les choses sont posées. Puis moi, enfin, je vous rappelle quand même que je suis censé être un chevalier errant. Non, mais attendez, mais c'est vous qui dites ça. Personne ne vous a jamais appelé chevalier errant. Parce que ça fait des années que je fais le ministre à Kaamelott. Non, attention, vous seconder est un véritable honneur, sire. Bah tiens. Mais je crois que j'ai besoin de repartir un peu à l'aventure. Ah non, mais vous allez pas vous tirer, vous aussi? Oh, me tirer, non. Ah bon? Convenons d'un mi-temps. Perceval? Mais qu'est-ce que vous foutez là, à cette heure-ci? Je suis désolé, sire. Je crois que je vais être obligé de m'en aller. Vous en allez, mais où ça? Chez moi, au Pays de Galles. Enfin, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe encore? C'est ma grand-mère. Elle s'est barrée de la ferme de mes vieux. Ça fait une semaine qu'il lui court après. Comment ça se fait qu'on a que deux gardes aujourd'hui? Je crois que les autres, ils sont en stage. En stage? En stage de quoi? Je sais plus. Une formation de chef de milice, je crois. Pas bien. Mais vous vous souvenez pas? Quand ils sont venus nous voir, comme quoi garde, ça pouvait être qu'une situation transitoire, et qu'ils voulaient se donner les moyens d'appréhender leur carrière avec enthousiasme. C'est où que vous partez déjà? J'ai pas compris. En Calédonie. Je pars. Je pars pas vraiment. Commencez pas à jouer sur l'affectif. Bah, vous venez pas de nous dire que vous partiez? Si, mais c'est pas définitif. Simplement, en Calédonie, les agriculteurs, c'est des vrais débiles. Ils sont pas foutus de faire sortir un radis. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, vous, des radis de Calédonie? Bah, ils me demandent des conseils, vous voyez. Ils comprennent rien. Là, ils sont sur un projet de plan de cresson. Comme je leur dis, un crucifère. En sol argileux, mes colons, vous êtes pas prêts à vous faire une salade? Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous, ici? Je vous ai mis deux petits gars formés par mes soins. Un pour les cultures, puis un pour les bêtes. Mais je comprends pas pourquoi vous partez. Je suis désolé. Ici, c'est vous qui chapeautez tout. Eh, mais là, ça me donne l'occasion d'être consultant, vous voyez. C'est tout frais payé. Puis ici, c'est peut-être toi qui chapeaute, mais je passe quand même mes journées à bêcher de la bouse. Mais vous nous aviez jamais dit que vous vouliez être pape. Mais parce que l'occasion s'est jamais présentée. Mais là, c'est l'aubaine. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, maintenant? Un scribe, ça se remplace pas comme un valet de pied. Mais si je me présente pas maintenant, ils vont en élire un autre, et je serai marron. Parce qu'après, pape, c'est pour toute la vie, hein. Suffit qu'ils prennent un genou. Moi, je peux faire une croix dessus. Mais pourquoi ils vous éliraient? Ils vous connaissent pas. Moi, j'aurais tenté le coup, hein. Qu'est-ce que ça coûte? Et la quête du Graal, ça aussi, vous laissez tomber? Je croyais que vous trouviez ça grandiose. Ouais, non, mais la quête du Graal, tout ça, c'est sympa. Mais bon, là, on parle d'autre chose, hein. Là, pape. Mais je vous parle de devenir pape! Oui, bon, bah ça va, on a compris, pape. Moi, je l'ai croisé une fois, le pape. Sans déconner. Bah, évidemment. Bah, c'est un guignol comme un autre, hein, faut pas croire, c'est pas parce qu'on dit pape. Mais c'est une question de pouvoir. Moi, je vous préviens, hein.
Dans pas longtemps, les chrétiens. C'est eux qui mèneront la danse dans toute l'Europe. Hein. C'est maintenant qu'il faut être sur le coup. Vous imaginez le fourbi que ça va être de trouver un scribe chrétien qui retranscrive la légende ? Mais il suffit de trouver un type qui reprenne le truc jusqu'à ce que je revienne. Et si vous devenez pape et que vous revenez pas ? Non mais attention, si je deviens pape, il n'y a rien qui m'empêche de revenir ici une fois de temps en temps faire un petit coucou. Vous parlez d'une journée. Ah, sire, puisqu'on a deux secondes, il fallait que je vous parle. Vous savez, au début de cette histoire... Quelle histoire ? Ben, la table ronde, la quête du Graal, tout ça, quoi. Ah ouais, eh ben... Au début, il y avait énormément de bonne volonté. Puis tout était à faire. Même Kaamelott, il a fallu construire, hein. C'était stimulant. Parce que maintenant que c'est fini de construire, c'est plus stimulant. C'est pas pareil. Non, aujourd'hui, les choses sont posées. Puis moi, enfin, je vous rappelle quand même que je suis censé être un chevalier errant. Non, mais attendez, mais c'est vous qui dites ça. Personne vous a jamais appelé chevalier errant. Parce que ça fait des années que je fais le ministre à Kaamelott. Non, attention. Vous seconder est un véritable honneur, sire. Bah tiens. Mais je crois que j'ai besoin de repartir un peu à l'aventure. Ah non, mais vous allez pas vous tirer, vous aussi ? Oh, me tirer, non. Ah bon ? Convenons d'un mi-temps. Perceval ? Mais qu'est-ce que vous foutez là, à cette heure-ci ? Je suis désolé, sire. Je crois que je vais être obligé de m'en aller. Vous en allez, mais où ça ? Chez moi, au Pays de Galles. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe encore ? C'est ma grand-mère, elle s'est barrée de la ferme de mes vieux. Ça fait une semaine qu'il lui court après. Ben, vous mangez pas ? J'ai fini. Fini ? Vous avez même pas commencé ? Un peu de raisin pour rafraîchir, éventuellement. Raisin ? Mais on n'en est pas aux fruits. On n'a pas fini le deuxième plat de viande. Et les volailles qui arrivent ? Libre à vous de vous suicider à petit feu en suivant le régime alimentaire d'un ours. Mais j'ai personnellement des principes d'hygiène qui m'engagent à plus de sobriété, sire. C'est vrai ce qu'on dit ? Vous bouffez que des graines ? Bouffe pas de graines. Quelques fruits secs, des fèves, des lentilles, et surtout, beaucoup d'eau. Et jamais d'alcool, bien entendu. Vous vous emmerdez pas pendant les repas ? Non. À moins qu'il ne dure plus de 3 heures, comme aujourd'hui. Ça fait pas 3 heures. Quand on aura fini le fromage, les compotes et les fruits confits, ça fera sûrement 3 heures. Ah. Alors, ça peine ? Ça vous apprendra à vous taper une bassine de barbac avant un combat. Avant un combat ? Mais attendez, moi je fais 2-3 passes pour vous faire plaisir et rideau. J'ai pas que ça à faire non plus. Et vous vous tirez faire une sieste, je suppose ? Mais pas du tout. Eh ben, je sais pas comment vous faites. Moi, après un repas pareil, je suis obligé de tenir le lit pendant 2 jours. Question d'habitude, ça. C'est sûr que si vous bouffez que des graines... Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande 2 fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Je ne suis pas sur un champ de bataille, je suis chez moi. Et j'avoue que je préfère aller pioncer 1 heure plutôt que de me démener à faire des entraînements interminables. Ils sont interminables parce que je me bats contre une grosse pintade de 200 livres et qu'on s'emmerde. Ben justement, ça vaut pas le coup de s'emmerder, foutez-moi la paix une bonne fois. Mais c'est capital de s'entraîner en combat réel, vous allez droit au casse-pipe avec votre surcharge pondérale. Là. Alors, en combat réel, je tombe plus souvent sur des gars comme moi qui aiment bien bouffer, plutôt que sur des types tout secs qui mangent que des graines. Je ne mange pas de graines ! Tiens, qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Bah, c'est 2 heures du matin, c'est mon casse-dalle de la nuit. Sans indiscrétion, vous en avez combien des casse-dalle par jour ? Par jour, 7. 7 ? Vous croyez pas qu'il y en a un peu plus, non ? Celui-là, par exemple, c'est le combien pour aujourd'hui ? Vous n'avez pas demandé ceux de la nuit, vous avez dit par jour. Par jour ? Parce que 7, c'est juste pour la journée ? Évidemment, avec ceux de la nuit, ça fait 11. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez du maître d'armes ? À quel point de vue ? Alimentaire. J'aime mieux pas parler de ça. Vous vous rendez compte de l'exemple qu'il donne aux jeunes ? Pas bien, non ? Qu'est-ce que c'est que ce style de bouffer des petits machins tout secs et 3 gallons de flotte par jour ? Pas moi, chacun son truc. Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Le gras, c'est la vie. Ah,
Vous étiez chez Demetra? Non, en cuisine. Encore? Vous exagérez, hein? Bah quoi, un petit bout de pain, non? Je gargouillais. Vous feriez mieux de prendre exemple sur le maître d'armes. Voilà un homme sain. S'il faut que je bouffe des graines jusqu'à ma mort pour être sain, je préfère encore être malsain. Je ne mange pas de graines! Ah non, eh oh, ça va peut-être aller, non? Bah, c'est vous, beau-père? Tiens, bah qu'est-ce que vous fabriquez là, à cette heure? Bah, comme tous les jours à cette heure, justement. Je viens coller mes miches sur mon banc, au pied de mon arbre. Oh bah oui, je vois l'ambiance. Mon banc, mon arbre, trois possessifs par phrase, le ton est donné. Non mais sans rien, qu'est-ce que vous glandez là? Oh bah rien de bien constructif, c'est sûr. Hein. Je prends le frais, je fais le point, je prends du recul, enfin bah tous les trucs de bonne femme quoi. Et vous pouvez pas aller faire le point dans le champ d'à côté? Déjà il y a le bon air, tout pareil, et puis en plus j'y suis pas, question recul, c'est plutôt tranquille. Mon bon souverain. Je vous dirais déjà pour commencer que cet arbre, il n'y a pas votre nom dessus, et d'une, que si j'ai envie de visiter les parcelles voisines, je n'ai pas besoin de vos avis, et de deux, et que question recul, ça ne se passait pas trop mal jusqu'à ce que vous pointiez. Et de trois. Non mais oui, c'est vrai, j'ai besoin d'être seul, pour me détendre, pour penser à rien, ça me permet de me recentrer sur les problèmes de l'État. Ah, parce que pour les problèmes de l'État, vous êtes centré? Ah, ben merci de prévenir, c'est vrai qu'il est en pleine forme l'État. C'est à se demander à quoi vous pensez quand vous pensez à rien. Bon père, écoutez, on va pas se fâcher, y a pas de raison. D'habitude, on n'a pas tellement besoin de raison. Je vous demande d'aller vous trouver un autre coin que le mien. Le mien, voyez, vous recommencez. Écoutez, bon père, cet arbre, il a plus de 1000 ans, je crois qu'il a jamais entendu autant de conneries qu'aujourd'hui. Moi, j'y viens depuis des années pour être peinard, alors oui, tout le monde s'accorde à dire que c'est plus ou moins le mien. Mais le mien a plus de 1000 ans, c'est pas vous qui l'avez planté, si? Ah, mais d'accord, j'ai compris, vous avez décidé de m'emmerder, c'est ça? Mais pas du tout, j'étais là, moi, c'est vous qui venez me les râper. Bon, bah alors voilà, beau-père. Alors, je suis désolé, vous m'obligez à utiliser mon autorité suprême. Vous savez que j'aime pas ça. Je vous donne l'ordre de lever vos fesses de là et d'aller vous trouver un autre coin. Voilà. Ah, bravo, bravo. Non, vous pouvez flamber. Hein, oui. Ah non, mais ça ne fait pas plaisir d'en arriver là, vous pouvez me croire. Bon, ben, je vous le laisse, votre coin-là, sans regret. D'ailleurs, si vous plaît tellement, vous pourriez songer à venir y crêcher définitivement. Comme ça, vous commenceriez à nous les lâcher un peu. Vous allez me foutre le camp, oui. Tiens, je connais un petit bosquet de mûrier au poil. Bonne journée! Encore vous? Oh non, mais c'est pas vrai! C'est la tôle que vous cherchez! Eh oh, une seconde, non? Laissez-moi parler! Ah mais qu'est-ce que vous voulez? Merde, je croyais que vous aviez trouvé un bosquet! Mais j'y vais, vous inquiétez pas! Seulement, je suis allé me chercher un casse-dalle aux cuisines. Et comme vous êtes sur le chemin, là, avec votre arbre, eh ben, je me suis dit, tiens, je vais lui larguer un bout de pain au passage. Ah bah ben là, il y a le beau geste. Pardon? Non, mais bon, c'est comme ça, hein. Et quand même, je vous ai connu moins fair-play. Enfin, je vous interdis le périmètre et vous pensez me ramener du singe. Mais bon, vous prenez ou vous prenez pas? Si, 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 ouais, je prends. Non, bah du coup, vous allez pas vous barrer maintenant, restez là. Ah non, je veux pas vous emmerder, hein. Non, mais vous m'emmerdez pas, allez, c'est bon, je me recentrerai une autre fois, hein. C'est pas les occasions qui manquent, essayez-vous, là. Bien aimable. Tiens, c'est trop beau. Quoi, c'est le piaf qui vous ulcère? Il me gonfle, ces trucs, ça me tape sur le système. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vous le caillasse. Moi, j'aime bien, mais si ça vous les brise, hein. Salope. Ah, ben, ça me gêne. Bon, on voudrait changer vos habitudes. Je me demande si c'est pas l'anniversaire de ma fille, cette semaine. Après-demain. Comment vous le savez? J'ai une bonne mémoire des dates. Ah bon? Alors c'est quand le mien? Par contre, j'ai une mémoire sélective. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse préparer pour demain? C'est-à-dire? Pour demain, vous voulez quelque chose de spécial? Qu'est-ce que vous me chantez? Qu'est-ce qui se passe demain? Vous avez oublié. Ah bah là, on dirait, oui. Bon bah quoi, vous la crachez, votre pastille? Ah, je vous comprends pas.
Qu'est-ce que vous comprenez pas ? Je ne comprends pas comment on peut oublier une chose pareille. Mais quoi, nom d'un chien ? L'anniversaire de la reine. Ah merde, oui, là, effectivement, j'avais oublié. Ah, c'est incroyable, hein ? Oui, enfin, dites, si j'ai envie d'oublier l'anniversaire de ma femme, je fais encore ce que je veux. Et comment expliquez-vous que moi, je ne l'oublie pas ? Ça, ce sera plutôt à vous de me l'expliquer. Et puis, en plus de ça, vous oubliez peut-être pas l'anniversaire de la reine, mais alors celui du roi ? C'était quand ? Une semaine après le vôtre. Vous vous souvenez ? Vous avez offert une chevalière que vous portez pas. Qu'est-ce que vous m'avez fait préparer à manger ? Ah, ça... Oh, c'est pas vous qui avez fait le menu ? Si. Non, mais si, mais évidemment. Mais simplement, c'est une surprise. Ah, c'est là où on va savoir si vous savez ce que j'aime. Oui, enfin, en même temps, si c'est pile poil ce que vous aimez, c'est plus une surprise. Hmm. Oh, des rognons de veau, comme c'est gentil d'y avoir pensé. Oui, bah, je me suis dit, allez, merde, la surprise. Ça, au moins, je suis sûr qu'elle aime. Oh, bah, je pense bien. Allez, bon appétit. Oui, super. Vous mangez pas ? Si. Ah, non. Ça, mais vous voulez dire maintenant ? Non, non. Maintenant, non, parce que déjà, je peux pas blairer ça, les rognons de veau. Et puis, c'est pas mon anniversaire. Ça va ? Tout va pour le mieux ? Royal. C'est magnifique ! Ah, je vois que le roi s'est souvenu de votre plat préféré. Oui, un beau geste, n'est-ce pas ? Oh, magnifique. Sire, vous pouvez me rappeler ce que vous avez demandé au dessert, que je fasse passer les cuisines ? Je suis sûre que c'est mon dessert préféré ! Eh ben, c'est ce qu'on avait dit, quoi, le... Le... C'est le machin à longueur, là. Ah, à longueur ? Oui, enfin, ça peut être un peu large aussi, ça dépend. La crème de marron ? Je sais pas. Oh, merci. Merci beaucoup. Un bisou. Mais non, papa, on est... Regardez, c'est trop loin. Faut changer le... Non, c'est bon. Mangez les... Ça va être froid. Oui. Bon appétit. Bon ? Et mon cadeau ? Ah, bah oui, mais je vais voir si j'en ai un. Comment ? Non, enfin, évidemment que j'en ai un. Simplement, mais je vois. Seigneur Lancelot ! Ah, ben, il est là. qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que... Le cadeau pour la reine ? Oui, voilà. Celui que vous m'aviez confié, que vous vouliez que j'apporte à la fin du repas ? Oui, bah oui, je pense qu'on parle du même, enfin... Le voilà ! Oh, mon cadeau ! Vous êtes vraiment gentil, hein ? Voilà, joyeux anniversaire. Merci. Ah ! Espèce de malade ! Mais qu'est-ce que vous avez offert comme cadeau ? Bah, je comprends pas. Des jolis petits cafards tout mignons. Mais je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Quelqu'un nous aura fait une mauvaise blague, certainement. Eh bah, si vous le retrouvez, vous pouvez lui dire ce que je pense de son humour, hein ? Ah bah, ça, je vais faire une enquête, je préfère vous le dire. Mais du coup, c'était quoi, mon cadeau ? Bah, c'était un petit... vous pensez, le type qui a mis les cafards à la place, quand il a vu ça... Il s'est barré avec, et puis vite fait. Non, c'est dommage, c'était un petit truc de valeur, en plus. Entre les taxes, les routes enneigées, les postes frontières qui bloquent les livraisons, les bagarreurs qui viennent me dévaster la cabane deux fois par semaine, j'étais déjà colère. Mais là, je crois que j'ai atteint le paroxysme. Ouais, c'est pas faux. C'est quand même du velours, cette botte secrète. C'est imparable. Un mot compliqué, tac, c'est pas faux, et tout le monde y voit que du feu. Le gars qui a pas beaucoup de vocabulaire, ça lui change la vie. Ah, moi, j'utilise 15 fois par jour, au moins. Attention, si ça se remarque, après, c'est foutu. Mais ça se voit pas. Et dans les conversations, il y a que des mots difficiles. Bah, j'arrête pas de dire, c'est pas faux. Non, mais sans déconner, faites gaffe. Parce que si les gens pigent la combine, après, on va vraiment passer pour des gros cons. Ah, si je comprends pas le mot. Bon, pour pas épuiser le truc, un con en passant, vous dites que vous comprenez pas le mot. Ah bon ? On passe pas pour des glands ? Bah, une fois de temps en temps, faut se dire tant pis, aujourd'hui, je passe pour un gland. Ouais, remarquez, ça va. C'est pas comme si on passait pour des glands tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait pas plaisir, moi, de taxer, hein. Si je pouvais annuler toutes les taxes, je le ferais. De toute façon, faut pas les écouter, les pécores, ils sont jamais contents. Les taxes, c'est censé être utilisé pour régler les problèmes des paysans. Et quand on les entend parler, leur seul problème, c'est les taxes. Il y a une vraie dichotomie, là. Ouais, c'est pas faux. Et puis finalement, ça gueule, mais ça se fait quand même. Ils se révoltent, mais ils payent plus ou moins. Nous, on utilise les fonds plus ou moins à bon escient. Ah, c'est pas faux. C'est-à-dire ?
Quoi, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui est pas faux? Ben, ce que vous avez dit, là, c'est pas faux. Ouais. De toute façon, il faudra bien trouver un terrain d'entente. On peut pas avoir que des rapports belliqueux, non plus. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux? Bah ouais. Et vous êtes d'accord aussi pour dire que la définition même des taxes et les critiques qu'elles soulèvent forment une dichotomie? C'est... Non, je connais pas ce mot-là. Ça me fait bizarre tout de même de dîner à la table des maîtres. Ça risque rien, ils sont carmélides. Ouais, mais s'ils savaient, je me prendrais une de ces danses, moi. Pas forcément, vous êtes avec moi. Vous avez raison. J'oublie que je dîne avec une des plus hautes autorités du royaume. Vous savez, si Arthur me voyait bouffer sa table, je me prendrais une grosse tarte dans ma gueule. Alors vous prenez des risques, là. Ils sont carmélides, puis on fait de mal à personne. Heureusement que je vous ai. Qu'est-ce que je serais, moi, sans vous? Un pauvre air. Ouais, c'est pas faux. Vous savez, je m'accroche pas à vous par désespoir. Ah bon? Je voudrais vous poser une question. Ça va vous paraître un peu osé, mais il faut que je sache. Allez-y. Je voudrais être certaine que vous ressentez la même chose que moi. Seigneur Perceval, est-ce que oui ou non, tout comme moi, vous vivez une idylle? Je connais pas ce mot-là. Vous voulez dire que nos sentiments divergent? Ouais, c'est pas faux. C'est bien d'avoir affiné le truc. Ça varie un peu. Vous avez eu besoin ces derniers jours? Non mais c'est dingue, ils sont tous mis à me sortir des trucs de fou. J'ai l'impression de parler à des bouquins. Alors là, boum, c'est pas faux, c'est pas faux. Un coup de « je connais pas ce mot-là », comme des cons ils étaient. Bien, bravo. Moi, dans la vie, j'avais deux ennemis. Le vocabulaire et les épinards. Maintenant, j'ai la botte secrète et je bouffe plus d'épinards. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames. Merlin, dépêchez-vous, le convoi n'attend plus que vous pour partir. Je suis sûr d'oublier des trucs, ça m'énerve. Est-ce que c'est une grosse bataille? Ah bah énorme, oui. On attend pas loin de 5000 hommes en face. Je me demandais si ça valait le coup que je prenne mon doubleur de puissance. C'est le moment ou jamais. Non, mais je vais pas le prendre, tant pis. Bah pourquoi? Parce que, je sais pas où je l'ai foutu. Vous êtes sûr qu'on les a semés? Ah bah sûr, j'ai l'impression quoi. Oh, mais Colomb l'a verrouillé. Mais comment ça se fait qu'il nous balance des sorts, ces cons-là? Je croyais qu'ils connaissaient pas la magie. Ah bah c'est vrai, sire, normalement les Vandales ne connaissent pas la magie. Ils ont dû prendre des cours. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dingue! Pas besoin de connaître la magie pour activer des parchemins, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils faisaient pas des incantations, ils lisaient des parchemins magiques. Et moi aussi avec des parchemins, je balance des sorts. Hein. Pour les acheter leurs parchemins, ils ont dû trouver un enchanteur. Tiens, c'en est pas un de parchemin, ça? Bah si, c'en est un. C'est dans le sac que je leur ai piqué. Et le lisez pas, le lisez pas! C'est signé Merlin. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est vrai? C'est sa signature? Ah, le salopard de fumier de peine-cul d'enchanteur! Sire, c'est le nôtre. Pas que. Mais vous êtes complètement fou! On ne rentre pas dans le laboratoire d'un enchanteur comme ça! Et au bout d'un moment, pourquoi pas? C'était même pas fermé à clé. Mais Merlin a dû protéger ce lieu avec sa magie. Partons d'ici avant d'être maudit sur 100 générations. 100 générations? Bah pour vous, c'est un moindre mal, vous n'avez pas d'enfant. Il n'y a même pas de gonzesse, hein. Sire, je trouve votre ironie très injuste. Je ne suis pas homme à manquer de courage, vous le savez très bien. Mais oui, mais parfaitement, c'est pour ça, je m'étonne de vous voir caquer. Non, je ne caque pas, sire. Simplement, il y a des choses à ne pas prendre à la légère. La magie, par exemple. On prend rien à la légère, nous, on vient fouiller le repère de l'autre con pour trouver des indices. C'est un traître, seigneur Lancelot, essayez de ne pas l'oublier. On s'est ramassé la dernière bataille parce que ce fumier a vendu des sorts à l'ennemi. Vous ne pouvez pas l'accuser sans preuve. Merlin a toujours été un allié fidèle. C'est justement pour ça qu'on cherche, pour trouver des preuves. Et qu'est-ce que vous voulez trouver dans ce fatras? On n'en sait rien. Je sais pas, peut-être une lettre qui serait signé par un chef ennemi, par exemple. Ouais, des traces, il est tellement glandu qu'il doit en semer dans tous les coins. Je rappelle tout de même qu'il peut arriver d'une minute à l'autre. Je voudrais bien savoir ce que vous comptez lui dire si vous trouvez en train de fouiner dans son atelier. Si vous nous aidiez à chercher, on serait plus vite sortis. Oui, et puis son atelier, c'est le roi qui lui met à disposition, c'est pas sa cabane personnelle, hein. Exactement, je suis chez moi. Sire, si Merlin prend que vous vous êtes introduit ici parce que vous le soupçonnez de traîtrise, il est capable de se vexer. Alors là, vraiment, il va passer à l'ennemi. Et ce sera notre faute. «
Je ne supporte pas qu'on fouille dans mes affaires. Mais on fouillait pas. Comment on fouillait pas? On fouillait carrément. Un laboratoire, c'est personnel. Est-ce que je vais retourner vos pioles, moi? Non. Excusez-nous, Merlin, on s'est tous monté un peu le bonnet avec cette histoire de sort. Oh, mais je sais bien ce que vous avez dans le crâne. Vous vous dites que j'ai vendu des parchemins aux autres machins. Bah, c'est-à-dire, comme ils avaient des parchemins... Et qu'ils étaient signés de votre main... Mettez-vous à notre place, ça pue la trahison. Vous apprendrez qu'avec les chaos de la route, ces parchemins sont tombés de ma charrette sans que je m'en aperçoive. Et que les abrutis d'en face n'ont eu qu'à se baisser pour les ramasser par terre. Quoi? C'est pas possible. Tout s'explique. J'attends vos excuses. Nos excuses? Attendez, vous voudriez que nous, on s'excuse alors qu'on s'est pris la trempe de nos beaux jours, tout ça parce que vous avez laissé tomber les trucs par terre? Bon, ben... Disons qu'on est quitte. Vous vouliez me voir? Je viens de me rendre compte. Je finis juste de remonter mes caisses de fioles et il m'en manque une. Ah bon? Mais donc, c'est une caisse de potions de foudre. Alors, il se pourrait que dans les jours qui viennent, si les salopards d'en face sont tombés dessus, ils viennent nous balancer des éclairs sur la tronche. Quoi? Mais c'est terrible! Donc voilà, hein, vous vous inquiéterez pas, c'est ma faute. Tiens, Père Blaise, qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est-à-dire, c'est un peu le parvis de ma chapelle, là, vous voyez? Ah oui, je vous félicite, hein, c'est la plus jolie placette de tout le château. Merci, j'y fais très attention. Par contre, il y a quelque chose que je comprends pas, il y a toujours de la bouffe par terre. Vous pourriez faire un petit effort pour m'adresser la parole, tout de même? Qu'est-ce que je dise? Je ne sais pas, vous pourriez engager la conversation sur quelque chose. Mais allez-y, engagez-la, vous. De toute façon, quand vous êtes amoureux, on ne peut pas vous parler. Qu'est-ce que vous racontez encore? Oui, chaque fois c'est pareil. Vous restez les yeux dans le vague pendant des jours et vous mangez rien. Vous croyez que je vous connais pas? Voilà, c'est pour savoir que j'ai pas envie d'en parler, en tout cas. Qui c'est, cette fille? Il paraît qu'elle sait même pas que vous êtes le roi. C'est ça qui vous plaît? On vous considère comme un homme comme tout le monde? C'est ça, dites rien. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez que vous êtes tout simplement incapable d'être amoureux, ni de moi, ni des autres. J'ai pas envie de vous en passer, parce que vous êtes... Vous êtes en avance? Possible. Moi aussi. Vous aussi quoi? Moi aussi, je suis en avance. C'est-à-dire que je voulais surtout pas être en retard. J'ai vu la reine aujourd'hui, de loin. Ouais, moi aussi. Le roi, par contre, toujours pas. Il sort jamais ou quoi? Remarquez, je vois pas pourquoi il sortirait, il doit avoir tout ce qu'il veut au château. Vous savez que ça fait 4 fois qu'on se voit et que vous m'avez toujours pas prise dans vos bras? J'hésite. Vous hésitez? Je me demande combien de temps vous allez mettre avant de commencer à me faire chier. 2 semaines? 3? Non mais je suis pas chiante, moi. Ouais, pour le moment. Non? Je suis pas chiante du tout. Et si vous avez un tout petit peu d'instinct, vous savez que c'est vrai. C'est dingue, cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'ai pas assez de force, je peux pas le desserrer. Mais je croyais qu'il dormait. Bah oui, il dort, mais il est agrippé. Mais c'est pas vrai. Le roi a besoin de lui, c'est ça? Comment le roi a besoin de lui? Bah, j'en sais rien, moi, je sais pas ce qu'il fait. Je me doute qu'habillé comme ça, il fait partie de la cour. Mais il vous a pas dit que... Que quoi? Et vous me dites que vous êtes... Ben, ouais, ça démarre pas mal, en tout cas. C'est bizarre, moi, il me semble que si j'étais ce qu'il était, je dirais, hein, parce que dans ce genre de cas, ça peut accélérer pas mal de choses, quand même. Mais quoi? Rien. Alors, le roi a besoin de lui. Allez, zou. Oh, merde, c'est pas vrai, il est coincé, ce con-là! Voilà. Je vous ai préparé un petit frichti, est-ce que j'ai trouvé? Merci beaucoup. Après, vous démerdez, hein. Je vais pas faire des allers-retours 3 fois par jour, je vous préviens. Il va sûrement se décoincer. Au cas où, vous avez un petit peu de bouffe pour lui aussi. Vous croyez que c'est une preuve d'amour? Ah non, je sais pas. Avec celui-là, vous savez, ça fait un moment que j'ai arrêté les pronostics.
Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme conseil? Je sais pas, j'ai vraiment envie de la réussir, cette mission. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait jamais sur quoi on tombe, surtout dans les souterrains. Et que si jamais vous sentez que c'est trop dur ou que vous n'êtes pas de taille, eh ben, vous revenez et puis on vous trouve une mission un peu plus à votre niveau. Il n'est pas question qu'on revienne encore bredine. Bredouille. Comment? Qu'on revienne encore bredouille. Ah mince. Bon bah voilà, les souterrains, c'est souvent des petites pièces successives, hein, reliées par des couloirs. Quand vous dites des petites pièces, ça n'a rien à voir avec les... Avec les quoi? Bah c'est pas des pièces pour acheter, c'est des pièces comme un vestibule. Donc, quand vous entrez dans une pièce, la première chose à faire, c'est un test de sécurité. Ah, j'en étais sûr. Voilà, donc vous entrez dans la pièce, mmh, et vous faites un tour complet sur vous-même en vérifiant chaque recoin d'un coup d'œil, et vous vous remettez en place avant d'avancer. Vous faites un 360 degrés. C'est pas un peu chaud? C'est bon, allez-y. J'ai effectué les manœuvres de sécurité. À vous. Oh, j'ai eu chaud. Le sol de ce mystérieux repère est des plus irréguliers. Nous devrons redoubler de prudence au risque de numéroter nos abattis. Les 360 degrés, c'est chacun le sien ou on peut en faire un pour deux? Comment ça? Parce que vous, vous êtes rentré en premier, d'accord? Oui. Vous avez vérifié sur 360 degrés qu'il n'y avait pas de danger. Tout à fait. Moi, j'arrive, j'applique à la lettre, je fais mon tour. La discipline est mère de sagesse. Mais comment on peut être sûr que ça s'annule pas? Oh, pigre, j'avais pas pensé à ça. Si ça se trouve, tous les tests de sécurité qu'on a fait jusqu'à maintenant sont ratés. Ça voudrait dire qu'on devrait retourner jusqu'à l'entrée du temple perdu et refaire le chemin en entier avec un seul test? Non, ça y est. Si je fais mon tour pas dans le même sens que vous, ça annule. Mais si je le fais dans le même sens que vous, ça le double. Du coup, on aurait un test de sécurité non plus de 360 degrés, mais de... 734! J'étais à 6421, moi. On multiplie la sécurité par deux. Alors, à ce compte-là, pourquoi s'arrêter à deux? Plus on tourne, moins on prend de risques. On y va! Et les ennemis n'ont qu'à bien se tenir! Qu'est-ce qui nous arrive? Un vil sorcier nous aura jeté quelques malédictions. Bon, je vous préviens, je me sens pas de continuer, là. Renoncer, ce serait faillir à notre mission. Ouais, mais là, franchement, je peux pas, là. Mon oncle va être terriblement déçu. On s'est pris de malédiction, quand même, c'est pas rien. Ouais, et puis on a amélioré notre système de défense. Faudrait qu'on ramène une preuve qu'on est arrivé jusqu'ici. On pourrait prendre la pierre qu'on a vue tout à l'heure. Celle avec le dragon dessus? Oui, c'est une preuve. Ouais, non, mais j'ai vomi dessus. Ah bah non, alors. Prenons quelques-uns de ces fétules paille. Ouais, hyper. C'est bon, ils sont là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui avez gerbé partout, là? Sire, c'est trop dangereux. Je peux pas garantir votre sécurité au milieu de tous ces sans-la-pisse. Ça va, on est presque à Camelot. Si vous voulez faire le marché, il fallait me prévenir, j'avais pris trois gars de plus. J'en ai rien à foutre de faire le marché, que je passe à me taper le détour par le bois. En tout cas, gardez bien votre capuchon que personne ne vous reconnaisse. Mais c'est bon, on est presque arrivé. Sire! Je n'ai pas vous reconnaître avec votre déguisement. Sire, dites-lui de se taire, on va se faire égorger. N'empêche qu'il n'est pas incognito, lui, et personne vient l'égorger. Mais lui, c'est pas le roi. Bon, allez vite faire la bise à tonton Arthur. Allez. Qu'est-ce que vous êtes venu trafiquer ici? Je me promène. Vous avez vu de jolies choses? Vous avez trouvé le Graal? Sire, je vous préviens, dans deux secondes, je bute tous les passants. Ah, c'est l'heure! C'est l'heure de quoi? L'heure de rentrer. Mais non, c'est l'heure des pupilles, vous avez tout de même pas raté ça, sire. L'heure des pupilles? Bonjour les petits amis, c'est moi le seigneur Bohort. Ouais. Je vais vous raconter la fabuleuse histoire de la coupe enchantée. Un jour, le seigneur Lancelot partit à la recherche d'un grand dragon vert. Je suis Lancelot du Lac.
Je chasse les vilains dragons. Est-ce qu'il y en a un qui se cache par ici? Non. Est-ce qu'il se cache par là? Non. Attention, je sens qu'un monstre s'approche. Attention. Et Perceval. Qu'est-ce que vous faites ici, imbécile? Je chasse le grand dragon vert. Non, moi. 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 On n'a qu'à y aller ensemble. Vous allez plutôt tâter de mon épée. Ah, ils sont forts. Oh ouais, sans déconner, c'est mortel. C'est alors qu'il aperçut la belle reine Guenièvre. Oh, oh Guenièvre. C'est moi, la reine Guenièvre. Je m'ennuie toute seule dans les bois. Je suis là, ma reine, pour vous servir. Restez un peu à mes côtés, seigneur Lancelot. Mais je dois combattre le grand dragon vert. Vous irez combattre demain. Venez donc plus près me chanter une douce mélopée. Bon, après, il y a des mots compliqués, mais dans l'ensemble, ça se comprend bien. Hein. Qui allait chasser le terrible dragon vert? Le seigneur Caradoc? Oh non! Voilà pour Caradoc! Oh, les cons! À moins que ça ne soit le roi Arthur! Oh Arthur! Que tu peux rejouer les marionnettes, s'il te plaît. Enfin, je comprends pas, je croyais que j'étais hyper populaire. Je sais pas quoi vous dire, moi. J'ai peut-être mal compris, hein. Oh, écoutez, ça va, m'excuse, mais enfin, 50 paysans qui crient Arthur au bûcher, je pense qu'il est difficile à comprendre. Il disait peut-être Arthur, notre bien-aimé. Alors, la question d'après? Ah non, mais il est interminable, ce questionnaire. Surtout que j'y ai déjà fait pour moi. Vous pouvez bien me donner un coup de main. On lit comme des pieds. Dans 8 jours, on y est encore. Bon, alors, diriez-vous que l'argent des taxes soit employé à bon escient? Oui, non, ne se prononce pas. On paye pas de taxes, nous. Les chevaliers, ça paye pas de taxes. Ah ben, mes cochons. En plus, je sais pas ce que ça veut dire, à bon escient. Moi non plus. Non, elle est nulle, celle-là. Passez la suivante. Pensez-vous que la quête du Graal doive être la préoccupation principale des chevaliers de la Table Ronde? Oui, non, ne se prononce pas. Ça, moi, je saurais pas dire. Principal? C'est dur de répondre. On est au premier plan, nous. Ah, mais non, je suis con. Allez, ce questionnaire s'adresse à tout individu résident sur le territoire de Bretagne, sauf les chevaliers et membres de la cour du roi d'Arthur. Oh, merde. C'est dégueulasse. Ils ont trop de chance, les individus résidant sur le territoire de Bretagne. Le peuple breton estime à 67% que la sécurité à l'intérieur des cités est acceptable. Ah, bah c'est bien ça. Oui. C'est bien. 2 miliciens à chaque coin de rue, vu ce que ça nous coûte, ils peuvent trouver ça acceptable. Hein. En revanche, la population estime à 91% que la sécurité en milieu rural est inexistante. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce qu'ils foutent en milieu rural aussi? 55% des personnes interrogées estiment que l'hygiène est insuffisante. Mais 12% d'entre elles précisent qu'elles sentent un net progrès. Ah oui, oui, mais l'hygiène, c'est pas seulement l'infrastructure. Mais hein. Oui, c'est une prise de conscience collective, quoi. Ah, je veux. Puis avant de parler d'hygiène, qu'ils arrêtent déjà de chier par les fenêtres. 32% de la population estime que le roi Arthur a trop de responsabilités et qu'il devrait apprendre à déléguer. Mais je les emmerde, moi. Pourquoi je me mêle, sans déconner? Je vais leur déléguer mon pied au cul, déjà. 23% de la population estime que le seigneur Léo Dagan devrait prendre la place du roi. Quoi? Quoi? Bah, et moi? Bah, les fumiers! Le papier, vous le jetez pas, hein. C'est moi qui le récupère. 33% de la population de Bretagne estime qu'il est intolérable de la part des chevaliers de la Table Ronde de n'avoir toujours pas trouvé le Saint Graal.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre au bout d'un moment? Non, c'est vrai que ça devient fatigant, la longue, ces critiques sommaires. Faut pas tout jeter en bloc. Moi, il y a des trucs que je trouve pas si cons que ça. Enfin, s'il y a rien qui leur plaise, on casse tirer. Personne les retient. Ils sont trop contents d'habiter un pays progressiste, qui laisse le peuple s'exprimer. Leur enfiler du progressiste, moi. Le prochain qui est pas joie, le pas à un arbre. Vous savez, ces questionnaires ne sont voués qu'à apporter une vision objective des aspirations collectives et... Non, non, ce qu'il faudrait, c'est trouver un moyen pour que ce soit le peuple qui décide qui c'est le roi. Hein, on pourrait pas trouver une combine en leur faisant remplir des petits papiers ou... Hein. Combien de pourcents vous avez dit? Mais je sais plus, plus de la moitié. Vous rigolez? Mais est-ce que j'ai l'air de rigoler? Je vais renverser le gouvernement. Fini les petites mesures, les petites décisions, les traités de paix. Je vais raser le continent. Et pour les survivants, ça sera le règne de la peur. Oh, et puis tiens. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ben, je m'y mets! Je casse tout dans l'avion! Mais c'est pas facile à organiser une réunion de la table ronde quand vous êtes pas là. Eh ben, vous faites comme quand je suis là, sauf que j'y suis pas, au bout d'un moment, hein. Mais y a personne pour organiser les débats. Il y a pas de débat. Personne n'aura rien à dire, tout le monde va roupiller, comme d'habitude. Vous vous arrangez juste pour pas qu'il y en ait un qui se barre en plein milieu, ce sera déjà pas mal. Sire, vous êtes déjà rentré? Ouais, j'ai pris la route de nuit, finalement. Ça va? Tout va comme vous voulez? Ma foi, fort bien. Je m'excuse de vous réveiller, hein, mais j'ai croisé quelques hommes en rentrant qui m'ont dit que vous étiez pas en pleine forme. Non, un petit coup de fatigue, probablement. Rien de bien grave, sire. Bon. La réunion de la table ronde s'est bien passée? Bien. Autant que je m'en souvienne, nous avons fait de notre mieux sans vous. Pas d'accrochage, pas de soucis, rien? Rien de bien significatif, en tout cas. Parce que, bon, alors après, c'est peut-être des conneries. Il paraîtrait qu'au cours d'une discussion, vous seriez levé et vous auriez dit « Le roi, je l'emmerde ». Comment vous dites ? « Le roi, je l'emmerde ». Je vous dis ça, attention, c'est peut-être des conneries. Non, il me semble que je m'en souviendrai, quand même. Il me semble aussi, oui. En tout cas, j'ai pas dû le dire comme ça. Mais comme ça ou autrement, ça me chiffonne, excusez-moi. Puis, de toute façon, je sais pas de quoi on parlait, mais c'était justifié. Justifié? Non mais, oh, Seigneur Lancelot, vous déconnez à plein régime, hein. Je vous rappelle quand même, pour mémoire, que justifié ou pas justifié, je pourrais vous bannir de Kaamelott pour un truc pareil. Eh ben, bannissez-moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà, bah, regardez-moi ça, vous recommencez! Excusez-moi, sire. Écoutez, enfin, Lancelot, je crois qu'on se connaît assez maintenant. Si vous avez quelque chose à me reprocher, vous pouvez me parler franchement. Non, mais je sais pas comment c'était arrivé sur le tapis. On parlait d'esclavage, je crois. Les autres disaient que vous l'aboliriez sûrement dans l'avenir. Moi, j'ai dit que c'était parce que vous n'aviez pas le courage de l'abolir maintenant. Il y en a un qui m'a dit qu'il fallait pas que je me prenne pour le roi, et voilà. Alors j'ai dit, le roi, je l'emmerde. Mais c'était dit sans méchanceté. Ah, bah quand même, moi, ça m'a l'air un peu fort, vu de là. Non, mais ils me chambraient tous aussi depuis le début de la séance parce que j'étais assis sur votre trône. Vous, j'étais assis sur mon trône? Ah, bah non, mais d'accord, faut pas vous gêner. Bah oui, vous étiez pas là, je présidais. Et vous pouvez pas présider de votre place? Bah, du coup, je me suis énervé, j'en ai mis deux au cachot. Quoi? Non, mais vous êtes complètement dingue! Vous les avez fait libérer? Mais oui, je suis pas con non plus. Enfin non, sauf Gauvin, Bort et Caradoc, parce que ceux-là, ils m'ont vraiment gonflé. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Que Kaamelott, ça se gouverne comme ça? Mais j'ai jamais dit ça. Non. Oubliez pas que quand quelque chose foire, c'est moi qu'on regarde de travers, c'est pas vous. Je sais bien. En plus de ça, tout le monde pense que vous êtes mon bras droit. Vous avez déjà une position extrêmement privilégiée. Parce que je suis pas votre bras droit? Bah, de fait, si. Enfin, c'est un peu comme ça que ça s'est goupillé. Mais c'est pas officiel. Non? Alors là, c'est la meilleure. Avec tout ce que je me tape, je suis même pas votre bras droit. Je fais plus souvent appel à vous parce que vous êtes un peu le seul qui tient debout, faut dire ce qu'il y a aussi. Ah non, ça m'apprendra à faire du zèle. Bon, alors, vous voulez que je vous nomme bras droit officiel? Non merci, non, non, oh là là, vous fatiguez surtout pas pour moi. Merde, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Moi, je veux bien faire des efforts. Eh ben faites des efforts pour arrêter de vous comporter comme un connard. Moi, j'en ai plein le cul de secondaire merde de 10 ans qui est même pas foutu de trouver un Graal ou de faire un gamin à sa femme. Oui, alors voilà, je me suis assis sur votre trône parce que je fais la moitié de votre boulot. Et je vous emmerde. Ah, Seigneur Lancelot, vous êtes de retour. Oui, sire, je crois que ça m'a fait du bien, ce petit bannissement. Oh, bannissement, allons. Ces petites vacances forcées, vous voulez dire? Je crois qu'à présent, je vois plus clair. Merci de vous être montré magnanime, sire. Allez défaire vos bagages, mon ami, et bienvenue parmi nous. Il va mieux, non? Non, il me déteste encore plus qu'avant. Voilà, sire. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, très bien. Je suppose que c'est maintenant que je m'y colle. Que vous vous collez à quoi, sire? Ben, c'est pas maintenant que je reçois les félicitations de tout le monde pour mon anniversaire. Ah, si? Si.
D'ailleurs, tiens, tant que vous êtes là, vous devriez commencer, vous seriez débarrassé. Non. Je vais y laisser passer mes collègues d'abord. Je pense que ça me permettra de bien lire ce que je vous ai préparé. Comme vous voulez. Hourra pour le roi, longue vie à Arthur, longue vie à Arthur. C'est fini? Très bien. Ça allait, sire? Impeccable. Ça reste assez classique, hein? Oui, non, mais c'est pas grave, ça. Non, c'est traditionnel, les vœux. On peut pas non plus bouleverser le truc à chaque fois. Non, c'est pour ça que j'ai préféré rester dans le vœu standard. Ouais. Par contre, c'est volontaire d'avoir repris des passages de vos vœux de l'année passée? Ah oui? C'est même pas des passages. C'est plus ou moins ça, au mot près. Ah oui, voilà. C'est ça, parce qu'il me semblait avoir entendu ça. Mais c'est exactement les mêmes? À peu de choses près. Mais par exemple, qu'est-ce que c'est qui change? Rien. Oui, c'est les mêmes. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ça va pas. C'est ça, parce que ça peut pas être les mêmes. Vous êtes censé composer vos vœux pour mon anniversaire chaque année, et ça doit chaque fois être différent. Ah, d'accord. Oui. Mais j'avais pas compris ça, moi. Parce que moi, ça fait 10 ans que je vous l'ai fait, cela. Hein. Très bien. Merci beaucoup, Gauvin. Mais j'ai pas fini. Ah, pardon. Excusez-moi. Allez-y, je vous écoute. Que le roi, avec sa coupe comme avant, terrassa le cruel géant. Et là, c'est fini. Non. Non, mais je suis désolé, mon oncle, mais j'ai eu du mal à mémoriser la fin. Mmh. Mais vous allez vous en souvenir, là, parce que c'était déjà pas mal long. En plus, ça voulait pas toujours dire grand-chose. Alors, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, s'arrêter à la phrase d'avant? Laquelle, mon oncle? Parce que vous finissez par le roi avec sa coupe comme avant. Oui. Déjà, cette phrase, la pige pas des masses, en fait. C'est la tournure. Non, c'est la phrase. La coupe, je suppose que c'est le Saint Graal, c'est ça? Non, c'est votre coupe. Comment ça, ma coupe? Bah, votre coupe de cheveux. C'est pour ça que vous ne comprenez pas, sire. C'est à propos de ce combat mémorable. Qu'est-ce que ma coupe de cheveux vient foutre là-dedans? Bah, là, mon oncle, c'est surtout pour la rime. Parce que vous, comme rime en la première chose qui vous vient, c'est avec sa coupe comme avant? Ouais, je sais, c'est un peu pauvre. C'est un peu nul, surtout. Vous voulez que je recommence sans la coupe comme avant? Non, ça va. Merci, Gauvin. Cassez-vous. La colombe blanche et sèche retombe souvent sur sa poitrine. Elle vole quand même. C'est très bien. Et finit sa course dans la prairie de notre enfance. J'ai fini. Bon. Alors, moi, j'ai un petit problème. C'est que j'ai pas pigé un broc de ce que vous bavez. Comment ça, sire? La colombe blanche et sèche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, la colombe, elle est pas blanche. Si. Elle est pas sèche? Si, oui. Enfin, pourquoi est-ce qu'elle retomberait sur sa poitrine? Là, sire, j'avoue que c'est pour que ça rime avec blanche et sèche. Qu'est-ce qui rime avec blanche et sèche? Poitrine? Ah oui, c'est une rime triple. Blanche et sèche, poitrine et prairie de notre enfance. C'est l'anniversaire dans tous les recoins. C'est presque tous les ans qu'on a l'anniversaire. Grâce à cette année, c'est la joie, c'est pratique. C'est au moins un principe à retenir pour faire la frite. C'est la... la 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 la. Cette année, c'est bien, l'anniversaire tombe à pic. Alors, vous avez misé sur quoi pour le combat de chiens ce soir? Non, mais on mise pas sur les combats de chiens, nous. Ouais, c'est un principe. Pourquoi donc? Parce qu'on estime que les paris, c'est des attrape-couillons. Oh, mais faut pas dire ça! C'est des attrape-couillons pour ceux qui sont déjà couillons. Attendez... Vous en avez déjà vu un, hein, au moins, de combat de chiens? Non, on n'aime pas bien ça. Pourquoi pas? C'est joli pourtant, puis ça fait de l'animation. Moi, j'aime pas les chiens, déjà. Puis moi, j'aime pas les combats, alors comme ça, c'est réglé. En plus, on n'y connaît rien. Bah, attendez, hein. Pour tout ce qui est à base de combat de chiens, vous avez devant vous un spécialiste. Vous? Vous en avez jamais parlé? C'est parce que je viens de m'y mettre. Mais je le sens, les chiens, c'est mon truc. Attention ce soir. Premier combat officiel de l'écurie Bibi, j'aime autant vous dire que ça va saigner. Mais vous en avez combien de chiens? Pour le moment, j'en ai un. Chien de ma sœur. Petit roquet tout pourri qui boite et qui fait ses os au milieu de ma salle, saloperie. Bah, ce soir, ça va pas être la même. Il sait se battre ou pas? Ah bah, vaudrait mieux pour sa gueule, parce que en face, ils vont pas lui mettre un petit poussin. Vous avez pas peur que ça soit un peu risqué? Bah, je mettrai, je vous dis. Alors, vous soutenez? On soutient. Eh bah, vous misez sur mon champion. Un beau geste. Alors, finalement, il est mort ou pas, votre chien? Non, mais c'est pas passé loin. C'est-à-dire que bon, moi, j'y connais rien.
L'autre était quand même vachement plus gros, non? Ah non, mais attention, la taille, ça fait pas tout. Il y a l'entraînement aussi. Bah, l'autre était vachement plus entraîné, non? Parce que là, le vôtre, il avait quand même pas l'air dans son assiette. Mais de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va pas avec celui-là. Je vais vous dire, j'ai jamais pu l'encadrer, moi, ce chien. Déjà, il doit pas y avoir un pied de chaise ou qu'il a pas fait sa pisse. Du coup, vous laissez tomber? Qu'est-ce que je laisse tomber? Bah, les combats de chiens. Mais vous plaisantez, je suis à deux doigts de remporter le pactole. Ce soir, j'ai un nouveau chien qui rentre dans la cage. Ça va être un carnage. Un chien que vous avez entraîné? Non, c'est un clébard que j'ai trouvé dans mes poubelles. Une espèce de petite merde, grande comme ça. Sans blague, j'ai jamais vu un chien aussi petit. Eh ben, il m'avait éparpillé mes ordures sur tout le chemin, le salopard. Et puis hargneux, il essayait de me mordre. Enfin, essayez, parce que il y a presque plus de dents, le bazar, vous voyez. Enfin, ça passe, vous voyez. Mais vous êtes sûr qu'il va tenir le coup? C'est un destructeur. Ce soir, ça va être un festival de la sauvagerie. Vous soutenez? Qu'est-ce qu'on soutient? Eh ben, vous prenez un pari dessus. Il n'y a pas hésité, c'est gagné d'avance. Ce coup-ci, ça a été encore plus court que l'autre fois. Je savais pas qu'un chien, ça pouvait manger un autre chien. Ça vous casse pas le moral, deux défaites d'affilée? Ça lui apprendra à étaler mes poubelles sur la route, à ce bâtard. Il a même pas eu le temps de japper. L'autre était horrible, hein? Ce soir, vous revenez? Mais vous combattez plus, vous, ce soir? Si je combats plus? Sans blague. Avec le champion de ce soir, je vais gagner de quoi refaire toute ma devanture. C'est le chien de qui, ce coup-ci? Pas vraiment un chien. Comment ça? Et donc, ça va faire une semaine ou deux. Croyez-moi, croyez-moi pas. J'ai un putain d'oiseau juste au-dessus de ma fenêtre qui me réveille tous les matins à 4h30. Je sais pas s'il est déréglé ou quoi. Vous allez pas le faire combattre? Bah, je vais me gratter. Ça va lui apprendre à me les casser. Déjà que je dors 3 heures par nuit, c'est pas pour m'en faire bouffer une par un con de piaf. Alors, vous soutenez? On soutient. Eh ben, vous pouvez miser gros, là, c'est du tout cuit. Le clébard d'en face, il va se faire becquer le pif en moins de 2. Je vous avais dit que c'était un coup en or. Regardez-moi ça, du velours. En tout cas, vous féliciterez le champion. J'ai jamais vu un oiseau aussi nerveux. Je pense que le chien d'en face a dû être déstabilisé. Ce soir, je remets ça. Vous soutenez? Avec l'oiseau? Non. Avec un putain de salopard d'asticot que j'ai trouvé ce matin dans mon fromage. Je peux avoir un peu de... Bohort, il faut être un petit peu raisonnable. Des grouillots, on en a tout le tour du ventre. Sire, je vous en prie. Je vous rappelle quand même que les serviteurs qui changent les torches sont les mêmes que ceux qui font les chambres et qu'il leur arrive occasionnellement de servir à table. Qu'est-ce que ça peut nous foutre à partir du moment où c'est fait? Sire, on ne peut pas continuer éternellement à faire n'importe quoi. Un corps de métier par poste, c'est tout de même un minimum. Mais ça nous coûte déjà les yeux de la tête, tous ces larbins. On va pas en faire rentrer d'autres? Achetons des esclaves. Même si je ne soutiens pas le procédé, il faut bien avouer que l'investissement de départ est vite amorti. Moi, je trouve que ça fait trop. Allons au marché demain. Venec y tient son stand. Peut-être serons-nous tentés par quelque chose. Et puis, ce sera drôlement bien si vous et moi faisons notre petit marché. Alors, sire, vous voyez quelque chose qui vous intéresse? Mais vous êtes bouché, Bohort, ou quoi? Je vous ai dit que j'en avais rien à foutre. Et vous pourriez me dire un peu? Allez, les bouseux, là, on se remue un peu. Ils sont là, les esclaves, ils sont là. Alors on se bouge le tronc et on vient les voir. Allez, allez. Déjà, pour avancer, il faut savoir si on part sur de la femme ou du gars. Garde du corps, restez à votre place, s'il vous plaît. Faut qu'on se grouille, là. On est en plein milieu de la foule. Si on a un qui veut vous mettre un coup de lame, il peut arriver de tous les côtés. Bon, sire, c'est vous? Chut. Nous sommes ici, incognito. Ah bon? Blondé là, au milieu des pégus. On est venu se faire une opinion sur votre marchandise. Mais je serais venu direct au château avec la cam, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous venez vous emmerder, là? Nous n'avons pas besoin de vos avis. Allez, vite, il y a du monde partout, là. On est trop exposés. Attendez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bohort s'est mis en tête d'acheter des esclaves. Ah bon? Je croyais que vous étiez un pays moderne, ou je sais pas quoi, que soi-disant c'était pas votre truc. Mais on l'avait pas interdit, la vente d'esclaves, non? Si, c'est toujours en vigueur, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il vend, celui-là, là? Je comprends rien. Moi, officiellement, je suis censé vendre du miel. Comme ça, en cas de contrôle, tac, 3 étalages de miel en dessous de la boutique. Et les esclaves, je les accuse de voler la tire. Ni vu, ni connu. Bon, bah là, vous avez du train de savate standard, hein? Ça, je le récupère un peu partout où je passe.
Parce que, c'est pour quelle utilisation? Surtout pour le service. Pour la sécu, on prend rien. Ah, mais attendez, parce que pour le service, il vous faut du classe, un peu, qui sache se tenir un minimum. Ah bah c'est sûr, oui. N'essayez pas de nous refiler vos unijambistes ou vos lépreux. Attendez, ça on en a déjà parlé. Celui de l'autre fois, il m'avait pas dit qu'il était unijambiste. Bon, on peut choisir et se barrer, j'en ai plein le dos. Ouais, puis c'est hyper dangereux ici. Bon, ça me reste d'un stock d'hiberne de l'année passée. C'est ma dernière pièce. Qu'est-ce que vous en pensez, sire? Je m'en fous. S'il est pas malade, on prend. Ah oui, mais pas malade... Moi, du pas malade, déjà, j'en ai pas. Et puis, attention, c'est pas le même budget. Vous verrez, sire, vous ne regretterez pas cet achat. On aurait quand même pu prendre 2-3 gars pour mes renforts. Parce qu'en cas de coup dur, moi, je suis tout seul à la sécu. Bon, on peut se barrer maintenant, j'en ai ma claque. Mon Dieu, sire, on va l'arracher! Grudu, faites quelque chose! Non, moi, je quitte pas le périmètre. Oh non! Un esclave tout neuf! Sire! Ça y est! J'ai trouvé quelqu'un pour la signalétique! Mais c'est pas celui d'habitude! Et celui d'habitude, il est pas là! Vous inquiétez pas, sire. En drapeau, je suis balèze. Par exemple, celui-ci. Si vous le pointez vers l'ennemi, on le dirige vers le bas. Non, oui, d'accord. Non, j'en ai rien à foutre. Grimpez là-dessus, maniez-vous. Bon. Ils ont commencé à faire des signes, eux ? Non, sire. Toutes leurs troupes sont à l'arrêt. Oh, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui maquille ? Mais ils en ont un, mec, à drapeau, eux aussi ? Ils en ont collé un sur une tourelle mobile, là, en plein cagnard, classique. Et il fait quoi ? Bah, il glande. Si vous voulez qu'il fasse. Enfin, on va pas se regarder comme ça jusqu'à demain, comme des cons, si ! Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et que j'entame une conversation. Et vous allez leur dire quoi ? Mais c'est histoire d'entamer quelque chose, quoi. Bonjour, bienvenue, une connerie. Bienvenue ? Non, mais bien sûr. Pourquoi vous leur dites pas de venir casser une graine à la maison ? Non, mais c'est histoire de les faire agir, quoi. Allez, je tente un truc. Et qu'est-ce que vous leur dites ? Attendez, ils répondent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent... C'est ce qu'on va voir. Quoi ? Oh merde, je me suis gouré. Je leur ai dit d'aller se faire mettre. Oh, la boulette. Hé hey. Ah, merde, Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'ils se mettent en formation. Là, mais c'est pas vrai ! Bon, ben quoi, je me suis un peu emmêlé les saucisses, c'est pas mes drapeaux, j'ai pas l'habitude. Vous vous trompez jamais, vous ? Non, mais annulez le truc, faites quelque chose ! Ils font de nouveaux signes ! Oui. Nous sommes prêts pour le... Pour le quoi ? Nous sommes prêts pour le... J'en sais rien. Mais qu'est-ce que vous bavez ? Ils ont pas dit nous sommes prêts pour le... Mais c'est ma faute à moi s'il finit par ses phrases, cet abruti ! Hein, son code, il a 5000 ans, là, c'est complètement ringard ! Il recommence ! Ouais, bah je suis pas bigleux, c'est ça, nous sommes prêts pour le... Ah non, il met un truc derrière. Ah bah évidemment. Oui, mais pas tout à l'heure. Bon, alors, ils sont prêts, pourquoi ? Pour le fauteuil, voilà. Oh là, mais vous êtes une vraie bille en drapeau. Non, pour le siège, nous sommes prêts pour le siège. Pour le siège ? Oui. Oh non, sire, pas un siège. Oh ouais, on va encore crever la dalle pendant des mois. Allez, barrez-vous ! Foutez le camp, là ! Mais qu'est-ce que vous faites, espèce de tordu ? Bah de toute façon, ils entendent rien, là. Ouais, mais ça, ils vont l'entendre. Tiens. Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez vos conneries, allez pas les mettre de travers ! Allez, c'est ça, viens ! Viens avec ta tourelle ! Viens, on t'attend ! On te défonce ! C'est vrai, j'ai eu un petit coup de sang, sire. Excusez-moi, je peux pas mieux dire. Bon, et pour me faire pardonner, tiens, dites-moi un truc, n'importe quoi, là, je leur transmets tel quel. Non mais c'est pour une fleur que vous me faites, givré ! Les troupes, sire ! Les troupes ! Allez, crétin, rattrapez le coup ! Allez, on se concentre. Attention. Accepter mes excuses. Il faut pas se planter sur celui-là. Mes excuses. Voilà, sire. Satisfait ? Sire, les troupes ennemies sont toujours en approche. Mais ils sont encore plantés dans le code. Mais non, c'est un basique, ça. Ils se rapprochent ! Ah mais non, mais là, ils veulent plus parlementer, les salauds, là. Faites quelque chose, espèce de débile. Empêchez ces tarés de monter à l'assaut. Le porte-drapeau ennemi nous fait des signes. Oui. Ça vous apprendra à nous traiter de gros pecnos. C'est ça que vous leur avez dit ? Mais non, jamais. Oh oui, mais enfin là, oui, c'est une interprétation, c'est pas... On peut le prendre comme ça, mais... Enfin, c'est des nazes, là, visiblement. Oh, il veut plus rien entendre, le fumier, là. Je m'excuse ! Je m'excuse, il m'entend du con ! Mais arrêtez de les insulter, vous envenimez la situation. Il tire ! Viens, on t'attend. Mais venez, ouais.
Et ça a balancé des merdes. De toute façon, on va te fumer. Hein, sire. Ah, Yvain, je suis bien aise de vous trouver ici. À plusieurs reprises, j'ai croisé votre mère ce matin qui... Mais Yvain ? Il fait la gueule, celui-là, ou pas ? J'arrive plus à me rendre compte, maintenant, moi. Monsieur est vexé. Pas du tout. Vexé de quoi ? Le roi part en mission avec son copain Gauvin et lui, il n'est pas convié, alors il boude. Mais je boude pas. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Non, mais Yvain, ne faites pas la tronche, je vous en prie. Je fais pas la tronche. J'ai promis à mon neveu que je l'emmène en mission. Ça fait des mois que je lui dis ça. Vous aurez déjà bien assez d'un glandu à gérer. Mmh. Super, c'est vraiment sympa de soutenir. Mais il vous emmènera une autre fois. Chacun son tour. Mais tout à fait. C'est pas pareil, là, Yvain, parce que, bon, Gauvin, c'est ma famille, alors... Bah, moi aussi. Non, du tout. Je suis le frère de la reine. Ah oui, merde. Non, c'est bon, de toute façon. Le mécanisme de ce vieux coffre me semble bien grippé, mon oncle. Allez, maniez-vous, on peut pas rester 8 jours ici. Ah, satanée serrure. Peut-être qu'avec votre aide... Je ne peux pas vous aider. Il faut que je reste ici pour faire le paix pendant que vous prenez des trucs de valeur. Dépêchez-vous. Je vais tenter un autre coffre, mon oncle. Mais combien il y en a de coffres ? 1, 2, 3, 4... Non mais allez, on s'en fout. Allez, prenez tout, on se tire. Ah, ce coffre-ci me semble encore plus rouillé que le précédent. Ah, c'est pas vrai, mais cassez les serrures avec votre dague, je vous dis qu'il faut qu'on se barre. J'ai l'impression d'entendre des pas qui approchent. C'est qu'il me coûterait d'abîmer ma dague sur ces ferrailles, sire. C'est un cadeau que vous me fîtes pour mes 14 ans. Mais on s'en fout, je vous en donnerai une autre. Pétez-moi cette putain de serrure et tirons-nous. Mon oncle, il y a un cadavre par terre. Il va bientôt y en avoir deux de plus si vous vous grouillez pas. Il tient quelque chose dans sa main. C'est quoi ? Je tente de lui ôter, mais le bougre s'accroche à son bien. Tirez plus fort. Ça y est. Je crois que c'est avec ça que le pauvre malheureux a pris son dernier repas. Ouvrez les coffres tout de suite. Bien, mon oncle. Mon oncle ? Quoi ? À votre avis, qu'est-ce qui peut bien pousser un homme sentant sa dernière heure arriver à s'agripper de la sorte à son couvert ? Ça y est, mon oncle ! J'ai enfin eu raison de cette maudite fermeture ! Et alors ? C'est magnifique, mon oncle. Non, mais je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Quoi, c'est tout ? Mais c'est naze ! Hélas, mon oncle. J'ai peur que toutes les autres soient comme celle-ci. Mais il y en a d'autres ? Ben oui, le coffre en est plein. Vous pensez que ça a de la valeur ? Ça, je sais pas. Les pièces d'or, vous pensez que ça a de la valeur ? Dans le doute, prenons-les quand même. On avisera en sécurité. C'est ça, maniez-vous. Mon oncle, est-ce que je tente d'ouvrir le coffre d'à côté ? Mais j'en sais rien, moi. Je croyais qu'ils étaient trop durs, les autres coffres. Peut-être que si je force dans ce sens-là... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le coffre est piégé ? Ah ! Une écharde ! Une écharde, mon oncle ! Dites donc, Yvain. Vous savez que maintenant que j'ai effectué une mission avec mon neveu, vous et moi, on part quand vous voulez. Non, mais c'est bon, j'ai pas eu peur envie, finalement. Ah bah, il a plus envie, maintenant. Après ce qu'il nous a bassiné. Bah, pourquoi, Yvain ? Je comprends pas. Bah, Gauvin, il est revenu, il s'était planté une écharde comme ça dans le doigt. N'empêche que si ça s'infecte, on peut mourir, je vous ferai dire. Et vous savez faire les tours de magie, vous ? Bien sûr. Vous pouvez m'en faire un ? Allez-y, tirez une carte. Comment ? N'importe laquelle, allez-y. Ça y est ? C'est laquelle ? J'en sais rien, moi. Le 5 de bâton. Et voilà. J'ai l'impression qu'on se pèle un peu moins ces temps-ci. Pas impossible, oui. Ah non, mais ça sera douci, c'est sûr. Hein. Regardez, prenez l'année dernière à la même époque, hein. Eh ben, c'est pas compliqué, ça tombe quand c'est que j'avais voulu rentrer en Carmélide et que j'avais pas pu, à cause de la neige. Mais non, mais pas du tout. Mais quoi, pas du tout ? Même que la grande porte était bloquée, qu'on avait envoyé des grouillots pour pelleter. Non, mais je m'en souviens de la neige, mais c'était pas du tout à cette époque de l'année. Ça fait un an, à 2-3 jours près. Ça fait au moins 2 mois de plus. Oh non, mais vous êtes gonflé quand même. À cette époque de l'année, il faisait plus frais, je vous l'accorde, mais il y avait pas de neige. Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, merde ! Mais je vois plus rien !
Non, mais je vous explique. C'est ça, expliquez-nous. Maniez-vous le trône, nous expliquez. D'habitude, je ferme toujours la fenêtre quand je travaille, mais là, je suis désolé, je crevais de chaud. Je me demande vraiment ce qui me retient de vous faire couper les mains. Je manipulais, et boum. Boum quoi? Boum, le sort est parti tout seul, il se trouve que vous passiez devant ma lucarne juste à ce moment-là. C'est quand même pas de bol. Ah non, c'est pas de bol en effet. Et on fait quoi, nous, maintenant? On monte un stand place du marché, hein? En faisant passer le chapeau, on peut se faire un joli petit pactole, hein? Marqué pour lire, c'est plutôt pratique, hein? Il faut voir le bon côté des choses. Le problème, c'est qu'aux premières chaleurs, on risque d'attirer les moustiques. Voilà. Non, puis c'est bien, c'est discret, c'est en balade, c'est passe-partout. Et encore vous, c'est bien blanc. Parce que alors moi, la couleur, pardon, hein? Dans le genre tantine, ça se pose là. Et ça vient d'où que c'est rose pour moi? Ben, ça prend pas forcément la même forme selon sur qui ça tombe. C'est un peu aléatoire. C'est ça, oui. J'ai toujours eu du bol avec l'aléatoire, moi. Sans vouloir vous commander, ça vous ferait mal au cul de nous enlever ça? Parce que c'est marrant, 5 minutes, mais curieusement, on s'en lasse plutôt vite. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse quelques recherches. Normalement, il fait pas ça, ce sort. Allons bon. Et il fait quoi? C'est un sort qui accélère la pousse des plantes. Ah, oh, ben c'est réussi. Regardez-moi ce joli rameau. Vous êtes vraiment un nul. Et combien de temps il faut qu'on poirote comme ça? Genre une heure? Non. Plutôt genre une semaine. Écoutez, je sais que c'est spécial, mais on peut pas l'enlever. Alors essayez de faire abstraction et allons-y. C'est ça. Et je rajouterai que toute remarque désobligeante, notamment sur la couleur, est vivement déconseillée. Voilà. Père Blaise, l'ordre du jour. La réunion d'aujourd'hui est consacrée à la mission nocturne de demain. Je voudrais pas la ramener, mais la mission nocturne de demain... Quoi? Elle m'a tout l'air d'être annulée. Annulée? En quel honneur, je vous prie? C'est-à-dire qu'il s'agissait plus ou moins d'effectuer une manœuvre d'approche furtive. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a certains parmi nous qui seraient un peu à la rame, question furtif. Bon, bah on reporte, alors... Bon, bah alors, demain, moi, j'ai plus rien. Hein. Si, il y en a qui pourraient se faire des sous en montant un petit stand sur la place du marché. Oui, on l'a déjà faite, celle-là. Alors? Alors, il n'y a pas de quoi se payer un lait de chèvre. Et merde. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez? À l'autre bout du marché, il y a un type avec un chat qui marche sur les pattes de devant. Les gars, ils arrivent là. Ils ont déjà donné. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes marteau? Je suis pas marteau, je suis ferme. Attendez, je vous reconnais. Vous êtes la boniche qui nettoie les pioles. J'étais. Il y a eu du changement. Du changement? De la promotion. Figurez-vous que je viens de passer intendante. Vous êtes plus boniche, alors? Ah, disons qu'il y a boniche et boniche. Vous avez la connasse de base, sans ambition, sans avenir. Et puis, vous avez l'intendante. Je sais même pas ce que c'est, moi. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après mes nouvelles consignes, par exemple, je suis responsable de la gestion des stocks de vivres. Les stocks de vivres? C'est moi qui garde ta de bouffe. Et je vous annonce tout net que les collations de 2h du matin, vous pouvez faire une croix dessus. Mais vous pouvez pas faire ça, il y a outrage! Outrage à quoi? Mais je suis chevalier, vous ne pouvez pas m'interdire de bouffer! Mais je vous interdis pas de bouffer pendant les heures de repas! Seulement vous êtes un poil en avance. Le petit déjeuner est servi dans 6 heures. Dans 6 heures? Mais comment voulez-vous que je tienne 6 heures? Avec quoi? Dans 10 minutes, je tombe dans les pommes! Ah, mais rien ne vous empêche de vous constituer un stock personnel, dans votre chambre, avec des produits que vous achetez vous-même. Oui, mais pour cette nuit, j'ai rien prévu! Pas un crouton de pain ne sortira du stock en dehors des heures de préparation de repas! Ça y est, je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là-dedans? Sire, enfin vous arrivez pour me sauver! Vous sauvez de quoi? De l'hypolipémie! De là? J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux. Mes hommages, sire. Tiens, mais vous êtes pas la boniche qui fait les pioles d'habitude? Comme j'expliquais au seigneur Carados. C'est cette machine-là qui s'est mise en tête de bloquer la bectance! Faites quelque chose ou je vais tout bousiller là-dedans! C'est une précaution militaire. En cas de siège, il faut pouvoir tenir un mois complet. En cas de siège? Ah, mais fermez-la 2 secondes, non? Mais il n'y en a pas de siège, pauvre con! Oh, sire! Non, mais ça va bien, non? J'en ai rien à foutre! Assassin! 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 Non, mais moi, je vous reproche pas de faire votre boulot. Simplement, la bouffe, c'est un sujet sensible, surtout pour certains. Sire, moi, j'applique ce qu'on me dit d'appliquer. Je vous répète plus les consignes. Non, mais ça va, vous allez pas me répéter jusqu'à demain. C'est bon, je le connais, le coup du siège. Oh, bah, si vous me dites que ça tient plus, ça tient plus, hein? Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça tient plus, évidemment. Il faut faire attention, on sait jamais. Ah, vous voyez bien?
Oui, mais c'est pas un bout de saucisson qui va faire la différence en cas de siège. Le seigneur Caradoc se prépare 4 collations par nuit. Le seigneur Caradoc, il t'emmerde. Chacune équivalente à un repas pour 3 personnes. À ce rythme-là, c'est pratiquement... Non mais je sais, c'est bon, simplement. Caradoc, c'est spécial. Ah, mais moi j'applique les consignes. Non mais je sais, vous appliquez les consignes, c'est bon. Alors continuez les appliquer, simplement, pas pour le seigneur Caradoc. Ah bon. Voilà. Eh ouais. Tu vois où tu peux te les carrer, tes consignes? C'est vous, seigneur Caradoc? Non, c'est le seigneur Léo Dagan. Mais qu'est-ce que vous faites? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Il voit bien que je boulotte un bout de saucisse. Vous lâchez pas la corde, hein? Cette forêt, c'est une vraie saloperie. Bah quoi, c'est une forêt? Non, non. Elle est hantée ou maudite ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il y en a un paquet qui sont jamais revenus. Hein. Il paraît qu'on s'y perd en moins de 2. Voilà. Alors, on s'espace pour couvrir plus de surface, mais on lâche pas la corde. Comme ça, au lieu de se paumer chacun de son côté, on se paumera tous ensemble, reliés par une corde. Pause ! Pause ! Pourquoi faire ? J'en ai plein les bottes et j'ai des épines dans les pieds. Quoi ? Je m'arrête 5 minutes. Mais moi, ça dure devant. Eh ben, prévenez! Sire, il y a l'ancien qui n'avance plus! Le roi demande pourquoi on s'arrête! J'ai des épines dans les pieds! Sire, il a des épines dans les pieds! Le roi dit que c'est dangereux de s'arrêter! Comment ça se fait que ça ne tire plus? Je me suis arrêté! J'ai des épines dans les pieds! Oui, ben j'ai compris! Pause! Quoi? Pause! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire? Mais comment pourquoi faire? J'en ai plein les bottes et j'ai des épines dans les pieds! Quoi? Mais quoi, quoi? Je m'arrête 5 minutes! Mais moi ça tire devant! Mais évidemment que ça tire! Eh ben prévenez! Sire! Y'a l'ancien qui avance plus! Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con, à pas passer la nuit là? Le roi demande pourquoi on s'arrête! J'ai des épines dans les pieds! Sire! Il a des épines dans les pieds! Mais j'en ai rien à foutre! Il se lève, on avance! Le roi a dit que c'est dangereux de s'arrêter! Magnez-vous le fion de vous lever! C'est un ordre! Je me suis arrêté! J'ai des épines dans les pieds! Oui, bah j'ai compris! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire? Mais comment pourquoi faire? Quoi? Mais quoi, quoi? Mais moi ça tire devant! Mais évidemment que ça tire! Sire, il y a l'ancien qui avance plus! Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con, à pas passer la nuit là? Le roi demande pourquoi on s'arrête! Sire, il a des épines dans les pieds! Mais j'en ai rien à foutre! Il se lève, on avance! Le roi a dit que c'est dangereux de s'arrêter! Maniez-vous le fion de vous lever! C'est un ordre! Oui, bah j'ai compris! Dites! Comment ça se fait que ça tire plus? Je me suis arrêté. J'ai des épines dans les pieds. Bon, hé, j'ai le temps de pisser ou pas? Oh, 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 ben la corde qui se tire maintenant! Ah non, 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 c'est bon, elle est là. Elle est là. Vous lâchez pas la corde, hein? Cette forêt, c'est une vraie saloperie. Bah quoi, c'est une forêt? Non, non. Elle est hantée ou maudite ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il y en a un paquet qui sont jamais revenus. Hein. Il paraît qu'on s'y perd en moins de 2. Voilà. Alors on s'espace pour couvrir plus de surface, mais on lâche pas la corde. Comme ça, au lieu de se paumer chacun de son côté, on se paumera tous ensemble, reliés par une corde. Pause ! Pause ! Pourquoi faire ? J'en ai plein les bottes et j'ai des épines dans les pieds ! Quoi ? Je m'arrête 5 minutes !
Mais moi, ça tire devant. Eh ben, prévenez. Sire, c'est un lance-flamme qui avance plus. Le roi demande pourquoi on s'arrête. J'ai des épines dans les pieds. Sire, il a des épines dans les pieds. Le roi dit que c'est dangereux de s'arrêter. Comment ça se fait que ça ne tire plus? Je me suis arrêté. J'ai des épines dans les pieds. Oui, ben j'ai compris. Pause. Quoi? Pause. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire? Mais comment, pourquoi faire? J'en ai plein les bottes et j'ai des épines dans les pieds. Quoi? Mais quoi, quoi? Je m'arrête 5 minutes. Mais moi, ça tire devant. Mais évidemment que ça tire. Eh ben, prévenez. Sire, il y a l'ostro qui avance plus. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con, à pas passer la nuit là? Le roi demande pourquoi on s'arrête. J'ai des épines dans les pieds. Sire, il a des épines dans les pieds. Mais j'en ai rien à foutre, il se lève, on avance. Le roi a dit que c'est dangereux de s'arrêter. Magnez-vous le fion de vous lever, c'est un ordre. Je me suis arrêté, j'ai des épines dans les pieds. Oui, bah j'ai compris. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire? Mais comment, pourquoi faire? Quoi? Mais quoi, quoi? Mais moi, ça tire devant. Mais évidemment que ça tire. Sire, il y a l'enchant qui avance plus. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con, à pas passer la nuit là? Le roi demande pourquoi on s'arrête. Sire, il a des épines dans les pieds. Mais j'en ai rien à foutre, il se lève, on avance. Le roi dit que c'est dangereux de s'arrêter. Maniez-vous le fion de vous lever, c'est un ordre. Oui, bah j'ai compris. Dites. Comment ça se fait que ça tire plus? Je me suis arrêté. J'ai des épines dans les pieds. Bon, hé, j'ai le temps de pisser ou pas? Oh, la corde qui se tire maintenant! Ah non, c'est bon, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier que vous bouffez, là? Ça, c'est mon spécial pleine lune. 4 rondelles de sauce à chaque coin sur une tartine à la graisse de rôti. Quel rapport avec la pleine lune? Bah, c'est nostalgique. Non mais vous comprenez, moi si je fais ça, c'est pour la grandeur du pays. Hein. Oh là, tout doux ma belle, emballez pas la jument. Attendez, vous savez combien de touristes je reçois par an dans mon relais gastronomique, hein? Votre relais gastronomique, celui qui est sur la route côtière, là? Celui de même. Ah oui, votre gourbi à clodo, vous voulez dire. Oh, établissement exemplaire, sire, non là c'est pas fair play. Parce que parler de relais gastronomique pour une maison de passe à pêcheurs, vous trouvez ça fair play, vous? Bref, ben les touristes, ils demandent sans arrêt de leur servir le plat national. Le plat national? Voilà. Alors j'ai l'air de quoi, moi? J'en sais rien, moi. C'est quoi le plat national? Ben justement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais comment ça, il n'y en a pas? Ben non, vous en avez décrété un? Pas que je sache, non? Voilà, il n'y en a pas, on passe pour des cons. C'est pour ça que je mets des bonnes femmes dans mon relais, faut rattraper le coup. Alors, il est où votre plat national? Oh ben, le plat national, on l'a pas. On vient déjà là pour le concept. Le concept du plat national. Oui, il faut avoir une vue d'ensemble d'abord, mais après on peut rentrer dans le détail. Et c'est quoi tout ce merdier que vous avez apporté? Commencez pas à être irrespectueux avec les produits régionaux aussi, hein? Tout ce que vous avez sous les yeux, c'est rien que l'artisanal. Ah ben voilà, c'est pour ça que ça pue. C'est toute la paysannerie bretonne que vous insultez, là. Dans la vie, monsieur Cyr, il y a des fois où il faut faire attention que vous mettez les pieds de pas aller trop loin. Quand vous la verrez, vous rappellerez à la paysannerie bretonne que c'est elle qui détient le record du plus mauvais vin, du plus mauvais fromage, de la plus mauvaise viande. Ça va, on connaît le couplet, hein. Vous avez des goûts de bourgeois? Vous devriez aller à Rome une fois, rien que pour la curiosité. Tout a du goût. Sauf que nous, on n'a pas de soleil main, rapport à tout ce qui est photosynthèse. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a, hein. Je vous rappelle tout de même qu'on fait les meilleures pommes du monde. Eh ben voilà, tiens, vous l'avez votre plat national, la compote. Quoi? Vous continuez de vous payer notre gueule, là? Ça fait 3 semaines qu'on se creuse la bouilloire à trouver un concept avec le jambon, le pain et le fromage. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, on tourne vite en rond. Ben, vous avez les tartines de jambon? Tartines de fromage? Vous avez quelque chose d'autre? Ben, non. Si, y a bien le pain tout seul.
on bute Caradoc. Comment ça, on bute Caradoc? On bute Caradoc. On est sur un projet de plan national. On n'a toujours pas le conceptif. Je suis sûr que vous pouvez réussir à faire quelque chose. Au four à pain. Génial. On devrait l'appeler le Caradoc. Non, c'est trop long. Ma famille m'appelle Croc. Le Croc, messieurs. Non, mais il y a trop de trucs, j'arrive pas à reconnaître ce que je bouffe. C'est pas normal. Un casse-dalle à 16 ingrédients, vous devez pouvoir discerner. Tiens, cette nuit j'ai rêvé qu'il y en avait un qui essayait de me piquer ma femme. C'était qui? Je sais plus. J'arrive pas à me souvenir. Seigneur Bord, qu'est-ce qui se passe? Oh, Seigneur Lancelot, Dieu merci, vous êtes réveillé. Bah, c'est-à-dire que si vous tambourinez sur la porte comme ça, du coup, je suis réveillé, oui. Je me sens observé, Seigneur Lancelot, épié de tous côtés dans ce château maudit. On me veut du mal. Bord, Dieu sait que rien ne me ferait plus plaisir que de vous rendre service, mais... Camelot est bourré jusqu'au grenier d'individus menaçants qui marchent dans les couloirs au beau milieu de la nuit en quête d'un personnage emblématique à assassiner. Bon, Bord, écoutez, allez vous coucher ou rentrez, mais ne restez pas comme ça dans les couloirs. Vous me proposez de rentrer? Oui, pourquoi? Bah, quand je vais réveiller le roi en pleine nuit pour l'informer d'un danger, il me claque la porte à la figure. Bah, c'est peut-être que ça vous arrive trop souvent. Non, depuis avant-hier, c'était plutôt calme. J'ai confiance en vous, Seigneur Lancelot. Quelque chose me dit que vous ne feriez jamais mauvais usage de ce que je pourrais vous confier. La confiance est une des choses les plus nobles au monde, je suis flatté. Vous savez quoi? Pour confirmer notre amitié, je vais vous confier un secret. Une chose que je n'ai jamais dite à personne, ni au roi, ni à nos compagnons chevaliers, personne à Camelot. Mais je vous écoute, Bort. Depuis tout ce temps, je me suis toujours arrangé pour que personne ne le remarque. C'est une chose tellement honteuse. Je n'ai jamais reçu la moindre éducation militaire. Grand Dieu ! Aucune, entendez-vous. Je suis à peine capable de tenir une arme. Le peu que je sais ne m'est venu qu'à force d'observation. Je n'ai jamais fait mes classes. Vous n'avez pas fait vos classes ? Une honte, n'est-ce pas ? Au contraire, Bort. Se battre sans expérience dès là, mais preuve d'un grand courage. Rien que de vous avoir ouvert mon âme, je me sens déjà tellement mieux. Je vous aiderai à récupérer votre retard. Nous nous organiserons de petits entraînements clandestins. Vous êtes trop bon. À présent, n'avez-vous pas vous-même un secret à me dévoiler? Ma foi, rien de bien romanesque, j'en ai peur. Si. Je suis amoureux de la reine. Ah, Seigneur Lancelot, je peux vous parler une minute? Bien sûr. Écoutez, Lancelot, je viens de voir Bort. Je crois qu'on a un problème, là. Vous voulez dire que Bort... Ben oui, voilà, c'est ça, je sais tout. Lui qui avait juré de se taire, je vais l'égorger. Ah non, s'il vous plaît, non, c'est pas la peine de s'en prendre à Bort. Oh, je suppose que vous allez me bannir de Camelot. Vous bannir? Non. Simplement, faites attention de ne pas vous montrer ensemble, quoi. Je comprends pas assez, hein. Je sais que Bort a dormi dans votre chambre cette nuit. Je ne veux pas savoir ce que vous avez fait. Tous les deux, ça ne me regarde pas. Essayez de faire en sorte que ça ne se sache pas. Ah, mais c'est ça. Mais je croyais que vous parliez de... De quoi? De rien. Seigneur Lancelot, ouvrez-moi! N'insistez pas, Seigneur Bort. Je suis les directives du roi. Mais seulement quelques minutes. Il me tarde tellement de m'entretenir avec vous. De qui vous savez? Quelques minutes, pas plus.
vous dérange? Allez-y, sire. Il paraît qu'aujourd'hui, vous étiez à deux doigts d'un indice capital sur l'emplacement du Graal. Ouais, c'est vrai. Et il paraît aussi que vous avez tout foiré et qu'on peut plus rien y faire. Ouais, c'est vrai. Vous voulez m'en parler un peu? Moi, au bout d'un moment, je vais bien faire des tas de choses, mais il faut être un minimum précis. Le vieux m'a dit, tu feras 20 lieues vers le nord pour atteindre les plaines de la perdition. Pourtant, moi, ça me paraît clair. Non, mais parce que là, je vous le fais à ma sauce. Déjà, il m'a tout mis dans le désordre, ce vieux con. Exactement, il m'a dit, gna gna gna, les plaines de la perdition, 20 lieues vers le nord, tu feras. Vous n'allez pas me dire? Je suis désolé, mais ça change pas tellement le sens. Bah si, c'est ce que je vous dis, ça m'a changé le sens. Mais ça change pas le sens de la phrase. Bah si, il a fait la phrase, mais c'était pas dans le bon sens. Bon, écoutez, moi, la seule chose que je vois, c'est que vous êtes encore débrouillé pour passer à côté d'une belle occasion d'en savoir plus sur le Graal. Ah ouais, mais après, je l'ai perdu, lieu. Non, écoutez, taisez-vous, vous êtes un naze. Alors, allez vous coucher, je peux vous voir. Quoi? Quoi? Rien, j'ai rien dit. Je peux plus le supporter. Je suis désolé, c'est physique. Je préfère qu'il se barre parce qu'il va s'en prendre une. Non, mais après, vous gérez comme vous pouvez, c'est sûr, hein. Peut-être pas patient. Un renseignement capital pour le Graal. Si cet abruti savait trouver le Nord, ce soir, le Graal, je dormirais peut-être avec. Non, mais c'est sûr. Non, mais là, je crois qu'il a bien compris la leçon. Ça m'étonnerait qu'il dorme, d'ailleurs. Triste qu'il doit être de vous avoir encore déçu. Oui, bon, ça va. Où est-ce que vous voulez en venir? Perceval, c'est comme un gamin. Et qu'est-ce que c'est la plus grande peur des gamins? Je sais pas. Le gros des collines, la soupe de poisson. Être abandonné. Et pour pas être abandonné, ils sont obligés de correspondre à ce que leurs parents leur disent qu'ils sont. J'ai rien compris. Perceval, vous n'arrêtez pas de lui dire que c'est un nul. Eh bien, s'il veut que vous continuiez à le reconnaître, il est obligé d'en être un. Quelque part, ça le rassure. Ça le rassure d'être un nul? Tant que vous lui dites qu'il en est un, oui. Mais elle est pas mal, celle-là. Attention, moi, je vous cause subconscient. Hein. Prenez-le pour pied de la lettre. Non, mais je rêve. Je me farcis le pire con du monde brito-romain, mais c'est bon, c'est ma faute. J'avais qu'à pas lui dire. On peut pas parler. Je l'ai toujours dit, il faut arrêter ces conneries de nord et de sud. Une fois pour toutes, le nord, selon comment on est tourné, ça change tout. De toute façon, le vieux, si je lui retombe dessus, il mange un marron. Ça, c'est obligé. Non, mais c'est bien déjà, parce que vous aviez trouvé une piste. Qu'est-ce que vous dites, sire? Bon, vous avez pas pu donner suite, mais vous aviez une piste. Mais sire, j'ai quand même tout foiré. Non, parce que vous êtes tombé sur une personne peu précise, qui utilise des termes fluctuants, comme par exemple les points cardinaux. Quels cardinaux? Eh bien, le nord, le sud. Ah, mais ça vient de là, le nom? C'est des cardinaux. Bon, bref. Vous êtes un grand chevalier. Et vous êtes un gros nul, d'accord? Un vrai gros naze. Ça va mieux? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu tout blanc, après tout noir, et après deux fois tout blanc. Respirez. Bon, arrêtez de bouger sans arrêt, sans ça on va pas y arriver. Mais ça dure des plombes. Mais ça dure des plombes parce que vous bougez. Moi, ça me rend dingue de me faire couper les cheveux. Bah, on vous la vexé, ça se voit. Vous comptez la faire descendre jusqu'où, la tignasse, au juste? J'ai décidé de plus les couper. Je me lance. Vous lancez dans quoi? Dans le cheveu, vraiment long. Vous êtes sûr? Non, parce que tant que j'y suis, ça me dérange pas de vous rafraîchir la nuque, hein, juste après. Vous rafraîchir la nuque? Quel rapport avec les cheveux? Qu'est-ce que c'est, les machins noirs par terre? Les machins noirs. Quoi, les cheveux? Quoi, les cheveux? C'est les vôtres. Les miens, vous foutez de moi? Passez-moi un miroir. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que vous avez foutu? Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais vous avez tout viré, vous êtes complètement marteau. On avait dit qu'on égalisait juste un peu les pointes. Non, mais c'est pas mal égalisé, là. Oui, non, mais en même temps, c'était n'importe quoi. À peine j'égalisais à gauche, qu'il fallait de nouveau égaliser à droite. Et ben, au bout d'un moment, ça fait court, c'est sûr. C'est court, mais c'est bien égalisé. Mais regardez-moi cette tête de con qu'on m'avait faite, on dirait la vôtre. Ah non, moi c'est beaucoup plus long, faut pas exagérer. Il me semble que ça fait plus jeune. Ça fait plus jeune, ça fait romain surtout! Bah oui, alors ça fait romain, c'est sûr. En même temps, c'est moi qui coupe, il y a quand même peu de chances que ça fasse perse. Mais moi ce qui m'emmerde le plus, c'est que ça fait pas breton surtout!
Regardez-moi ça, on dirait un décurion qui sort de la caserne. Moi, je les ai vus pendant des années, je fais court. Nous, on s'en fout. Mais au bout d'un moment, en quoi ça pose un problème que ça fasse Romain? Vous êtes fédéré par Rome, vous pouvez quand même avoir une coupe romaine. En fait, dès que j'ai eu 10 ans, hop, je fais court. La ferme! Vous savez quoi, en fait, vous avez honte de vos origines. Mais j'ai pas des origines romaines. Le problème, c'est que dans le coin, les cheveux longs, c'est un peu synonyme de pouvoir. Regardez-moi ça, on dirait un petit poussin. Bon, attendez, mais dans le coin, ils ont des goûts de pecno, dans le coin... Non, je suis désolé, le cheveu court, ça vous va mieux. La question n'est pas là. Quand j'étais môme, alors là, ouais, j'avais les cheveux longs. Vous allez la boucler, oui. Seulement, tout le monde m'appelait Persiflette. Ça me faisait pleurer. Zut! Du coup, au 10 ans, tac, ratiboisé. De toute façon, maintenant, les cheveux, ils sont par terre. Hein. C'est fait, je vais pas vous les recoller sur la tronche. Non, mais je vais pas rester comme ça. Regardez-moi ça, on dira de mes larbins. Mais non, mais vous avez l'épée, là, truc. Excalibur? Voilà. Bah c'est bon ça, avec ça les gens ils repèrent à peu près qui vous êtes. Hein. Vers 15 ans je me suis fait un genre de crête à la barbare, bien rasé sur les côtés. Non, je peux pas retourner à la table ronde comme ça. À la table ronde vous avez pas de casque? Non. Sauf que ma grand-mère elle m'a pas reconnu, elle a lâché les chiens. Vous avez qu'à dire que c'est une nouvelle loi, hein, les cheveux courts pour tout le monde. Les chiens non plus ils m'ont pas reconnu. Et votre pote là, le grand là? Quel grand? Le magicien. Merlin? C'est pas mon pote. Je suis même pas un magicien. Hein. Mais il a rien lui pour faire pousser les cheveux lui? C'est passé à ça de la quiquette. J'ai encore la cicatrice. Il y a ça. Non. Pas faire trop le difficile non plus, hein. Celui-là. Non plus, c'est pas possible, ça. Sinon, il y a ça. Ça, c'est... Oui, ça. Non, mais oui, ça marche, forcément. Enfin bon, c'est pas. Et avant, il y en avait un qui était mieux. Avant? Lequel? Attends, ils étaient tous zéro, de toute façon. Celui-là? Je crois, ouais. Ouais? Ah, c'est vrai qu'il est pas mal, celui-là. Ah ouais? Voilà. Ouais. Non, mais vous croyez quand même pas que je vais me balader tous les jours avec ça? Ah, mais c'est pour le porter tous les jours? Je crois que c'était pour faire une blague à quelqu'un, moi. C'est pas compliqué. Les attaques saxonnes, dans quelques temps, il y en aura une par semaine. Vous comptez faire quelque chose, on attend qu'ils aient génocidé la moitié de la communauté paysanne. Alors, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on maîtrise la situation. On maîtrise. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas, on se prend raclé sur raclé. Vous dites on maîtrise, moi je cherche. Hein. Donc, à vue de chez nous, vous maîtrisez que dalle. Non, enfin, je veux dire, on gère. Vous gérez quoi? C'est tout cramé. Personne ne fout plus le nez dehors. Bon, disons que ça nous préoccupe, voilà. Ouais. Ça, ouais. Les paysans sont en colère, sire, c'est pas une blague. Moi, je vous le dis, ça sent la révolte. Essayez de vous mettre un peu à leur place. Ah non, merci, non, ça va, sans façon. Ils ont déjà une vie pas facile, mais les attaques incessantes par-dessus le marché, ils en peuvent plus. Enfin, est-ce qu'on est bien sûr qu'ils exagèrent pas un peu? Ah bah les Saxons, c'est bien leur genre de s'en prendre aux paysans. Avancez jusqu'à la forteresse. Ils osent pas trop encore, mais les fermes, alors là, c'est la fête. Ah, ils crament les cultures, ils bousillent les vaches. Ils bousillent les vaches? Ils bousillent tout ce qu'ils trouvent, les vaches, les brebis, même les poules. Non mais c'est des gros cons les Saxons, hein, faut pas croire. Ah non, mais si, non mais ça, je sais, bien sûr. Mais... Bon, on va essayer d'organiser une défense un peu plus efficace. Mais vous, de votre côté... Ouais, vous échapperez pas à un petit discours. Oh non, mais ça me gonfle les discours au peuple. Ouais, mais ils ont plus confiance, il faut qu'ils nous entendent. Ouais, et surtout, dites pas de conneries, hein, je les sens bien la cran en ce moment. Et comme ils vont être bien 5000 devant la tribune... Préparez bien le truc, surtout. Et bah, ça va, vous me prenez pour un manche. Non, et à la fin, oubliez pas, sortez Excalibur, hein, ça impressionne toujours bien. La situation est préoccupante. Les attaques incessantes de ces dernières semaines... Vous savez ce que ça veut dire, préoccupante ou pas? Non mais il n'y a pas de honte, dites-le. Préoccupante, ça veut dire qu'il y a de quoi se faire des cheveux, du souci. La situation est préoccupante. Les attaques incessantes de ces dernières semaines nous ont laissés passablement affaiblis. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est un peu chaud, là, pour eux. Quoi? Passablement ou affaibli? C'est un tout. Non plus, j'ai rien pigé. Non, moi, ça va, mais j'ai de nouveau oublié pour préoccupante. Nous allons contre-attaquer. Et nous allons contre-attaquer fort. Le mal sera coupé à la racine. J'aurais dit à la source, moi. La source sera coupée à la racine? Non, plutôt, plus comme... Excusez-moi, vous pouvez fermer vos gueules? Bon, si Rabrégeon, faites un effet de manche et puis on part. Ouais, parce que si ça s'énerve en face, on va pas se la jouer, je vous préviens, moi. Vous avez peur pour vos frères. Vous avez peur pour vos femmes. Pour vos enfants. Je vous promets à tous
que les Saxons vont apprendre qu'ils ne sont pas chez eux sur l'île de Bretagne. Et s'ils ne l'entendent pas, je m'occuperai de leur déboucher les oreilles avec ça. C'est quand même pas des flèches. J'aime pas leur raconter des conneries, je suis pas là pour ça. Ouais, mais de l'autre côté, on agit. C'est pas comme si on les enfumait. Oh, mais ça me tue que ça marche encore, le coup de l'épée en l'air. Ils sont fiers de leur souverain, vous allez pas leur enlever ça. Le moral est une arme de guerre, sire, vous le savez bien. D'ailleurs, il faut que vous veniez parler aux soldats pour les encourager avant qu'ils partent. Et oubliez pas de sortir Excalibur à la fin, ça les impressionne bien. Eux non plus, c'est pas des flèches. S'il vous plaît, si nous en sommes réduits aujourd'hui à exiger ce nouvel impôt, ce n'est pas par cruauté. Kaamelott se trouve dans la nécessité de faire appel à toute la communauté paysanne de Bretagne pour un projet capital. C'est pourquoi déjà? Pourquoi pas? Ben pourquoi est-ce qu'on a besoin de fonds? Parce qu'on est raide. Non, mais il n'y avait pas un autre truc? Vous vouliez pas construire un... je sais pas quoi Non, on voulait rien construire, non. Ah bon, bah, je croyais. Oubliez pas de leur dire que ceux qui payent pas seront pendus. Ah oui, non. Alors, encore une toute petite chose. Parce qu'en fait, si ça vous gonfle, on peut parler d'autre chose. Hein. Mais c'est pas ça. Mais vous venez 3 fois par semaine pour nous parler d'argent, c'est devenu une manie. Vous êtes inquiet, toujours inquiet. Le pognon, ça rentre, ça sort, c'est jamais bien grave. Oui, sauf que le nôtre, il sort, mais il rentre pas. Alors du coup, je me suis dit, ce serait peut-être une bonne idée de s'inquiéter. Il rentre pas? Attendez, entre les impôts, les tribus, les trésors de quête, venez pas dire qu'il rentre pas. Les trésors de quête? Rien que le bracelet que j'ai rapporté de la cave du roi Félon, un bracelet en or, large comme ça, vous allez pas me dire que ça vaut rien. Mais il est où ce bracelet? Bah, dans la salle des coffres. Dans la salle des coffres? Mais qui l'y a mis dans la salle des coffres? Oh, mais je sais plus. Le seigneur Léodagan, il me semble. On a fait ça commun pour les autres bijoux. Oh oui, mais... évidemment, si vous descendez des trucs sans me le dire, je vais avoir du mal à me faire une idée. Hein. Attendez une seconde. C'est Léodagan qui a descendu le sac? Je suis pas sûr, mais il n'y a pas de raison. C'est toujours lui qui descend tout. Oh, puis j'en ai marre. Je risque ma peau pour ramener des richesses et personne ne sait où elles sont. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où on mettra la main sur le Graal? On va le perdre aussi? Non, mais ça va, oui. Je suis pour quelque chose, moi, à votre histoire de bracelet. Occupez-vous de vos affaires vous-même au lieu de les confier à Léodagan. J'ai confiance. En Léodagan, vous êtes pas futé. Eh ben, il y en a bien du blé. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et ça, c'est pas de l'or, ça? Non, mais c'était pour dire qu'il faut pas se fier aux apparences. Il n'y a pas tant de blé que ça. Ouais. Bon, alors, il est où, ce bracelet? Quel bracelet? Ben, celui que Lancelot vous a confié. Lancelot m'a confié un bracelet? Ben, première nouvelle. En tout cas, il a pas l'air d'être là. Parce que vous voyez ça d'un coup d'œil, vous? Ben, chapeau, je croyais que ça rendait bigleux d'écrire. Il est pas dans mon inventaire. Vous allez peut-être me faire croire qu'il est à jour, votre inventaire? Peu de choses près, oui. Mais vous savez pas combien il y a, et puis c'est tout. Vous pleurnichez du soir au matin en disant qu'il n'y a pas un rond. Ouais, enfin ça change pas le coup du bracelet, ça. Mais vous allez me gonfler jusqu'à quand avec votre bracelet? Je vous dis que j'ai jamais vu. Il n'y a pas que le bracelet, il y a le reste aussi. Quel reste? Ah, attention, hein, je sais pas ce que vous me faites, mais j'ai pas une tête à chapeau, je vous préviens. On ne vous accuse pas. Non, mais ça pourrait venir. Est-ce que c'est vous qui descendez les sacs au retour de quête? Ça m'arrive, oui, alors. Et alors, vous descendez tout le sac ou vous faites une pause au milieu de l'escalier pour faire le tri? Quel tri? Entre les trucs que vous me laissez et ceux que vous mettez dans les fouilles? Mais c'est pas croyable d'entendre ça! On va peut-être se calmer un petit peu. Des bracelets, je peux m'en payer 200 si j'ai envie! Mais en plus de ceux que vous me piquez, vous aurez de quoi ouvrir une boutique! Non, mais j'y crois pas! Attention, hein, parce que ça va partir! Ouais, j'arrive.